Et bonsoir à tous, bonsoir Vilain Croco. Dans ce jeu, pas besoin d'améliorer la coque de ton bateau. J'hésitais à faire la blague. J'hésitais à faire la blague dans le titre du live. Du coup voilà. Je l'ai pas faite, mais j'y ai pensé très très fort. Comment vas-tu, Vilain Croco? Alors, j'ai commencé à l'heure aujourd'hui, hein. On peut être fier. Il y a juste que j'ai dû relancer genre 45 fois pour comment dire pour avoir le choix de la qualité. Non, j'ai pas relancé 45 fois, j'ai relancé 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. La sixième fois, j'ai eu le choix de la qualité. Ça va, un peu fatigué, mais ça va. Ben, je suis dans exactement le même état. Je suis claqué. Je suis mort. Honnêtement, enfin, je suis très content d'être là, mais j'ai qu'une hâte, c'est de retrouver mon lit derrière moi. Je supprime vite les rediffs de 15 secondes là à chaque fois. Hop. Voilà. Du coup, ouais, je suis en ordre pour les rediffs. Elles se postent au fur et à mesure sur YouTube, donc si à l'occasion tu as envie, même si c'est avec un mois de décalage presque. Mais en fait, j'ai programmé chaque live pour qu'il se poste un jour où je stream pas. Voilà. Comme ça, vous avez quand même du contenu. Coucou Rémi, comment vas-tu? Oh! Ouh! Ah! Excusez-moi. Vivement demain soir. Ouh! Ouais, le week-end. Non, t'as bien raison. Moi, je suis. Je suis tout mou. Ah! Mais en fait, j'ai beaucoup de mal à m'endormir. Enfin, non, j'ai pas de mal à m'endormir. J'ai du mal à garder le sommeil. Je me lève très très tôt et du coup, je fais des siestes d'après-midi parce que je suis trop mort. Du coup, oui, donc ce soir, on va faire Spiritfarer, donc un jeu qui m'a été offert par Jeremia sur Discord ou Shonix sur le chat quand il passe de temps en temps. Et en fait, il voulait me voir faire le jeu. Et du coup, je vais le faire. À mon avis, lui, il regardera plus la rediff. Qu'est-ce que j'allais dire? Parce que j'ai pas encore fait les miniatures d'ailleurs pour Spiritfarer, faudrait que je les fasse après le live. Ben on va découvrir ce jeu, apparemment est extraordinaire, il est très très beau. J'ai bien envie de me l'offrir ce jeu. Eh bien, si tu. Ici, tu risques d'être un peu spoilé, malheureusement. Maintenant, si toi à côté tu joues, je sais pas, si tu as envie de continuer, je pense que t'es sur Mass Effect. Non, t'es sur les BioShock. Si t'as envie de jouer à BioShock à côté, go. D'ailleurs, donc une fois qu'on aura terminé Spiritfarer, on fera deux découvertes. Coucou Tissé, comment vas-tu? Donc après qu'on aura terminé Spiritfarer, je ferai une. En fait, on m'a offert. Enfin, on m'a offert. J'ai demandé deux clés de jeu. Un pour Redout. C'est un genre de Wipeout slash F-Zero. C'est un jeu de course. Pas trop spoil. Ok. Je me rappelle que Nem l'avait fait, je sais pas si tu l'avais vu chez elle. Enfin, moi je l'ai pas regardé du coup. Donc après, donc on va faire donc Redout. Donc il y a un jeu qui m'a été offert, à mon avis on fera un seul live dessus parce qu'un jeu de course.
Alors, j'aime beaucoup les jeux de course, j'adore les jeux de course. Je pense pas que ce soit trop votre genre, du coup, on va faire juste un live de découverte, voir s'il est cool. Tu l'as vu chez une autre personne, ok. Après Red Out, on fera une découverte sur Haven. Je vais sûrement te demander un projet de logo, je vais voir si j'ai un budget pour ça, je te donnerai. Ok! T'as eu ta réunion avec. T'as eu ta réunion Zoom? Alors, c'était pour ça? Ok, y a pas de soucis, tu sais. Pire, on s'arrange. Qui a d'autres? Je suis en train de réfléchir. Hein. Oui, on fera Haven. Alors, soit on fera une découverte et le jeu me plaît pas et on arrête. Soit le jeu me plaît, on continuera en live. À ce moment-là, quand Assassin's Creed Rogue sera terminé, j'essaierai de. On peut encore faire suite, on en parle. Ok. Haven, c'est pas le jeu avec le couple qui vit paumé au milieu d'une part. Exactement, j'avais essayé la démo. Elle était chouette, mais j'ai pas trop compris. Mais par contre, l'OST. Alors, je vais me faire flaguer sur l'OST, ça va être une porcherie. Parce que c'est un musicien assez connu. Enfin, assez connu. Connu dans son milieu, qui s'appelle Danger. Deuxième danger, je pense, sur YouTube. Si vous voulez aller écouter ce qu'il fait, j'adore ce qu'il fait. Enfin, j'adore. J'écoutais ça, mais dans ma jeunesse, il y a 10 ans. Et vu qu'il y a un budget dans le micro-français, je ne me rends pas compte du temps qu'il faut. Danger, c'est de la bonne électro. Ah, on voit les connaisseurs. On voit les connaisseurs. J'ai mis du temps à trouver son compte YouTube. Attendez. Hop. Le deuxième danger. Il me semble. En fait, il a fait des albums avec genre. Ah, est-ce qu'il les a encore dans ses playlists? Non, 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 non. Ouais, il a fait des albums avec. Ce sont des dates en fait. Genre, ici c'est 14-9-2017. Avec à chaque fois des heures en fait. 11h30, 14h54, etc. Et il avait un électro. Enfin, je sais pas comment la qualifier, mais j'ai beaucoup aimé. Et c'est lui qui a fait la musique pour Haven. Bah, d'ailleurs, qui est disponible, je pense, sur son. Oui, il y a la soundtrack du jeu qui est disponible sur sa page YouTube pour ceux qui seraient intéressés. Et je pense que j'ai filé le mauvais truc. Enfin bref, c'est son compte YouTube en tout cas. Hop. Je vais fermer ça. Comme ça, au cas où je passe sur une autre scène, vous voyez pas mon historique YouTube. Il y a beaucoup trop de reportages d'Arte dedans. Et du coup, on va faire ça. Et s'il me plaît bien, on continuera. S'il me plaît pas, on ne continue pas. Mais en tout cas, à un moment donné, on va devoir passer au coop. Parce que j'ai des coops de prévus depuis longtemps. Et la première coop, c'est de la balle en jeu. Ouais, c'est de la balle. Du cul, non, même pas du cul sur. Non, c'est. Alors là, j'avais Stéphane Bern qui s'affichait parce que je avoue que j'ai regardé des secrets d'histoire. Non, mais il y avait un super secret d'histoire que j'ai regardé aujourd'hui sur la princesse, sur la reine Elisabeth de Belgique. Et j'ai appris beaucoup de choses, même si j'ai appris une partie de son histoire pendant mes cours en secondaire et en primaire aussi. Il y a beaucoup de choses dont j'étais pas au courant et c'était très intéressant. Je vous invite à aller le voir si vous voulez vous y connaître un peu plus en monarchie belge. Enfin bref. Du coup, après ça, il y aura la coop que je vais organiser. Hein. Je vais essayer d'organiser avec Bulbilou et Akaz sur Borderlands. Oui. Donc, oui, il y aura du Borderlands en pas longtemps sur la chaîne, vilain croco. Mais t'inquiète pas, tu les auras finis bien avant nous.
Parce qu'au rythme d'un live par semaine, voilà. Du coup, on va peut-être passer en jeu. Je vais peut-être démarrer le jeu. Hop. Deux ou trois. Alors, on va commencer par le premier. Hein. On va commencer par le premier. Puis il y aura le 2, le pre-sequel. Et le 3, je ne l'ai pas encore. Voilà. J'attends l'argent des abonnés, lol. Je rigole. Donc, nous voici dans Spiritfarer. Ah. La félicitation pour votre bienvenue victoire au championnat du monde de collecteur de trams, bravo. Eh ben, figure-toi, mais sans rire, je l'ai regardé sur y avait un live Facebook à l'époque. J'allais dire YouTube, mais non, c'était Facebook. Et c'était franchement exaltant. On s'était en mode, allez, vas-y, vas-y, gagne. Cette année, il se passe en Roumanie, d'ailleurs, si ceux qui sont intéressés. J'en étais sûr. Bah écoute, en plus, tu reconnais la rue Royale et tout, machin. Bon, ils ont bloqué la moitié du centre-ville pour ça. Déjà que la moitié du centre-ville est passée en piétonnier, les gens étaient pas contents. Bon, ça s'est passé un samedi. Et le 3, j'ai pas leur dire des quoi, il faudrait que je remplace mon 1 Tera par un SSD. Ah ouais, à cause des temps de chargement, mais normalement t'avais un bon, tu t'es acheté un bon PC récemment, je sais plus. Alors, la musique du jeu va particulièrement fort. Et voilà, le jeu voulait plus prendre ma manette. Ah, oh, c'est mieux. Sinon, les temps de chargement vont être fini. Oui, tu m'étonnes. Voilà. Et du coup, on peut commencer ce jeu. Mais t'as vu les beaux trams qu'on a? Je sais pas si t'as regardé le championnat du monde. Mais t'as vu les beaux trams qu'on a à Bruxelles? Ça, c'est le plus récent. Oh, un chat! C'est un chat? Oui, je savais qu'il y avait un chat. Ah, finalement. Oui. J'ai cru un instant que tu ne te réveillerais jamais. Oui. On peut passer le dialogue à un moment donné ou... Comme ça aurait été ironique, non? Pour t'offrir Borderlands 3. Merci. Merci pour ton bid, la coco, mais fallait pas. Franchement, fallait pas. Allez, je vais changer le message de remerciement pour les bits. Du pâté et des croquettes pour les petits chats. Je suis Sharon. Ah, d'accord, c'est avec X qu'il faut passer et pas avec A. Le Spiritfarer, le passeur d'âme. C'est-à-dire que j'étais jusqu'à ton arrivée. C'est ce que j'étais jusqu'à ton arrivée. Je ne peux pas dire que je suis triste de partir, mais il me reste quelques petites choses à faire ici. Je crois bien que c'est toi qui prendras ma relève. C'est, après tout, mon tout dernier jour. Et tu es... Stella. Stella. Bienvenue, Stella. J'ai vu que tu avais un ami avec toi. Comment s'appelle-t-il? Daffodil. Daffodil. Je vois. Vous serez donc tous deux responsables. Je ne porte plus ce fardeau. C'est terminé. Comme je le disais, d'ici quelques minutes, je quitterai ce monde. C'est pourquoi tu es ici. Tu seras la nouvelle passeuse d'âme, la Spiritfarer. Merci. Écoute. Tes tâches seront tout sauf faciles, mais toutefois très simples. Tu dois aller cueillir les esprits errants sur les îles, et, lorsqu'ils seront prêts, les ramener ici. Les amourantes ne peuvent pas trépasser d'elles-mêmes.
tu devras les aider à remplir leur dernière requête et à être à leur service jusqu'à leur dernier souffle. Ah, c'est beau. Ah, ça va être triste. Oh, je vais chialer. Le grand pont que tu vois là en forme d'arche, c'est le seuil éternel. Tout débute à l'alpha, tout se conclut à l'oméga. Stella, elle revient de Torremolinos. Ah! Oh, quelle référence! Oh, cette référence! Oh, vilain coco, je m'y attendais pas à ça! Les amourantes, ça me fait penser à une streameuse. Oh, les amourantes! Oh, t'es con! Ah, mais je m'y attendais pas à cette référence, vilain coco! Comment tu connais Stella? C'est quand même genre le groupe belge le plus improbable au monde! Avec le grand philosophe Jean-Luc Fonck. Ouais, il me semble que c'est ça. Oh là 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 là. C'est une chanson de Najwa Belizaire. Non, mais là, c'est. Il fait référence à On ira tous, tous, tous à Torremolinos. La chanson de Stella avec trois L, du coup. Oh, je m'y attendais pas. Oh, je m'y attendais pas. C'est beau. M Merci, vilain coco. Merci pour ce moment. Ceci, merci pour ce moment, c'est pas un livre ça. Je vais transformer en Valérie Trierweiler. Et bonsoir, Elfebon d'ailleurs. Je dis même pas bonsoir. Alors, on va continuer le jeu. J'y connais un peu en chanson belge. Ah! Moi je m'y connais pas trop. Je connais quelques-unes, mais le grand Jojo, Stella, quoi, les bases. J'ai dit bonsoir, mais tu m'as encore zappé. Oh! Désolé, Elfebon. Et j'ai pas dit que tu n'avais pas dit bonsoir, j'ai dit que je ne t'ai pas dit bonsoir, du coup bonsoir. Oh, je suis désolé. En plus, ça fait genre. Oh, ça fait bien 10 minutes. Ça fait 11 minutes que je t'ai zappé. Oh, je suis désolé. Je suis vraiment désolé, Elfebon, je t'ai pas vu. Avec les messages du bot et tout, enfin, je suis désolé. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Il y a mon téléphone qui s'excite. Ok, d'accord. Et bonsoir, Bado! Ça m'a fait marrer, je suis désolé. Je suis vraiment désolé. Comment vas-tu, Bado? Et comment vas-tu, Elfabon? C'est là-haut. Toutes les quêtes se terminent et où l'existence rencontre son seuil. Il n'y a pas de tâche plus importante que celle-là. Ne l'oublie jamais, Stella. Maintenant, Géo dira tous, tous, tous à Torremolinos en tête. Je te déteste, vilain croco. Je suis fatigué, je vais pas la faire longue. Ah, oh, t'inquiète. Et j'ai démarré à l'heure en plus aujourd'hui, vilain croco. Elfabon. Parce que je lis le message de vilain coco au-dessus d'Elfebon et du coup je bug, voilà, je bug dans ma tête. Je dois te donner quelque chose. Voici. Tu dois faire très attention avec ceci. C'est la lanternelle. C'est le symbole de ton statut ici. Et le seul outil dont tu auras besoin. Vrai pot de vache, mais non. Mais attends. Qu'est-ce que... Oh, comme c'est inapproprié. Hein? Bon, voilà ce qui clôt l'affaire. La lanternelle t'aidera dans tous tes voyages. Ce sera la lumière qui illuminera les sanctuaires obscurs, la dernière goutte d'espoir pour les défunts. Ah, on a chacun une lanternelle du coup. Le chat aussi. L'espoir est une flamme, la lumière qui ne faiblit jamais. Un phare dans l'éternité. C'est assez lourde et gênante, mais elle tient à un devoir bien plus grand. Je suis sûr que tu l'utiliseras parfaitement. Tu vois, moi aussi je me suis senti dépassé au début.
Essaie de te concentrer. Prends une étape à la fois. Tu seras vite habitué à ces lieux. Tu te familiariseras avec ces moments. Après tout, tu es la nouvelle Spiritfarer. Oh, une dernière chose. Lorsque je serai parti, tu devras trouver ton propre bateau. Le mien ne te conviendrait pas et disparaîtra avec moi. Tu devras en trouver un près d'ici, si tu rames assez longtemps dans la bonne direction. Probablement. Bon, j'y vais. Au revoir Stella, et bonne chance, tu en auras besoin. Une pagaie! Et alors, au cas où, elle fait bon, j'ai lancé le live il y a 24 minutes. 25 minutes. Et il est 20h55. Voilà. Du coup, j'ai lancé à 30. Enfin, j'ai lancé avant, en fait, pour avoir le choix de la qualité, mais j'ai galéré pour l'avoir. Donc, voilà. Mais du coup, à 30, j'étais lancé. Alors, on se déplace avec les flèches de direction ou avec le stick gauche. Le stick droit, il fait rien. Appuie sur A pour sauter et maintenir A pour sauter plus haut. Maintenir machin en sautant pour grimper vers les plateformes. Maintenir ça plus A pour descendre d'une plateforme. Ah! Ah d'accord, c'est pas une plateforme ça. Non mais... Non mais... Voilà pourquoi je fais jamais de jeu de plateforme. Mais... D'accord, ok. Comme ça. Non, comme ça. D'accord. Fais gaffe, il y a un petit chat qui te course. Mais oui! Appuie sur X pour interagir avec un objet à bordure lumineuse. C'est là. C'est vraiment toi? Tiens-toi bien droite que je te regarde. C'est vrai que moi aussi je me tiens pas droit, faudrait que je me tienne droit. Tu parais bien. Et Daffodil est là aussi, je vois. Nous allons avoir besoin d'un rouleau anti-peluche. Ah, ce n'est peut-être pas clair. C'est moi, Gwen. C'est une bonne chose que tu m'aies trouvé. Mais, si tu es ici, ça veut dire que... Oh, tu es la nouvelle passeuse d'âme, la Spiritfarer. Tu es celle qui remplace Sharon. J'ai essayé de m'en débarrasser. Je suis arrivé ici par accident. J'ai été pris sur cette île dégoûtante pendant des semaines vivant de sardines et de cigarettes. C'est drôle comme c'est moi qui te sortais du pétrin avant. Je vois que tu es à la lanternelle maintenant. Évidemment. Tu vois le bateau là-bas? Qui a une grosse coque. C'est celui-là. Ah! Il est manifestement minable, mais réquisitionnons-le. Je te gage qu'il fonctionnera puisque tu es la Spiritfarer. Ok, rejoins-moi sur le pont, je t'expliquerai tout. Ah. Posez dans le canapé. Il y a d'autres trucs interactifs? Oui. Yeah. Je ne dirai rien. Tu allais dire quoi? Que je suis nul en jeu de plateforme? Oui. Allez-y. Et voilà, j'espère que mon manteau de fourrure ne sera pas trop abîmé. Ah mon dieu, qu'est-ce? C'est beau. Magnifique. Je ne saute d'habitude pas de joie, mais je me sens si bien. Tout cela est bien mieux que je ne l'aurais cru.
Alors, si je comprends bien, ce bateau est désormais le tien. Tu ne crois pas? Bien. Et comme tu es Spiritfarer, ton nouveau travail est d'accueillir les esprits errants. Une fois à bord, ils prendront leur vraie forme. En tout cas, c'est ma théorie. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Viens ici, donne-moi un câlin. Nouer des liens. Ok. Ah. Câlin. Câlin! Oh! Désolé. Beaucoup mieux. Suis-moi, observons ce chaos. Oh non! Quel gâchis! Ça me rappelle l'ancienne cour de Tante Pétunia. Le témoignage désorganisé et magnifique de la paresse d'une personne, ou l'impossibilité vitale de se débarrasser de quoi que ce soit. Ok, c'était... Ici, il y avait un... Comment ça s'appelle? Stalker compulsif, je sais plus trop quoi. Ce jeu est tellement pas réaliste, un câlin en 2021, non mais c'est pas crédible. On se calme. C'est la personne qui l'a demandé. Du coup, il y a consentement. Nous devrions à tout prix faire quelque chose, sinon je devrais combattre mon allergie à la poussière. Laisse-moi y penser. Il n'y a qu'une seule façon de remédier à la situation. Tu dois aller voir Albert. C'est une sorte de requin de la finance. Et ses blagues sont nulles. Mais il est le seul à pouvoir réparer ton bateau. Nous devrions nous diriger vers le chantier naval d'Albert. Je dois te demander grâce à quoi se déplace ton bateau. C'est très facile en fait. Voilà une clé que j'ai trouvée sur l'île. Elle débarre la cabine, derrière. Tu y trouveras un projecteur cartographique. Et comment suis-je tout ça? Eh bien, je planifie une évasion, tu te rappelles. Et tu me connais. Je planifie méticuleusement les choses. C'est pas geste barrière, c'est pas faux. C'est pas faux. Mais maintenant, ils ont créé des trucs avec des parois qui permettent de faire des câlins. En fait, c'est une paroi en plastique et tu peux serrer les gens dans tes bras. Mais bon, ça sert à rien, quoi. Tu mets un masque et c'est pareil, quoi. Presque, j'ai envie de dire. Et après, tu te nettoies, quoi. Je planifie très méticuleusement. Vas-y, entre dans cette cabine, Stella. Oui, ça sert à rien. Le projecteur cartographique est simple à utiliser et tu n'as qu'à mettre le cap sur le chantier naval d'Albert. Appuyez sur machin pour voir les requêtes actives. Mets les voiles, capitaine. Mets en marche ton bateau à partir de la cabine de Stella. Je peux maintenant parcourir le monde, comme c'est bien. Port d'Alt. Chantier naval Albert, ici c'est quoi? Le seuil éternel, d'accord. Faites-vous des câlins dans du papier bulle, mais oui! Des câlins de papier bulle et coucou Zviet! Nous sommes la passeuse d'âme Stella, avec notre petit chat Daffodil. Elle est trop mignon! Et on a fait un câlin à cet esprit. Si je comprends bien, le bateau fonctionne grâce à ta lanternelle. Voilà comment il navigue les océans et dévoile les esprits errants. Faites des câlins tout court, c'est bien aussi. J'avais une... Donc mon ancienne... Ok, les câlins seulement si vous sentez bon. Je viens de prendre ma douche avec du gel à la pomme. Je sens la pomme. Donc ouais, j'avais une formatrice à ma formation avec qui je m'entends très très bien. C'est devenu une pote et on se faisait des câlins avant, quand il n'y avait pas le coronavirus. Mais oui, mais c'est cool les câlins. Pour ceux qui aiment bien sûr, je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas du tout ça. C'est très cartoon comme style graphique. C'est juste magnifique cet effet dessiné. Cela explique aussi pourquoi je ne peux rien faire moi-même. Tu dois admettre, tout cela est fascinant. Du coup, tu dois te sentir dépassé. Sharon, le seuil éternel, les passeurs d'âme, cet endroit, ce bateau, ma présence ici, cela fait beaucoup. Tu dois te demander ce qui se passe. Pour dire vrai, je ne sais pas non plus vraiment. Mais je suis là pour toi.
Je ferai de mon mieux pour t'aider et pour donner un sens à tout cela. Comme je disais, j'ai voulu tout quitter, mais pour une raison ou une autre, je n'y suis pas arrivé. Maintenant, tu es là, je crois savoir pourquoi. Je te quitte un instant, mais n'hésite pas à explorer le bateau. Tu peux même essayer ta canne à pêche. Le monde est à ta portée. C'est magnifique. Ce jeu est très très beau. 25 euros le jeu, je vais attendre un peu. Ouais. Et il vient de... Enfin, il vient de sortir. Il est sorti en août, en fait. Et je pense que tu peux le trouver moins cher. Genre 10 balles moins cher, un truc dans le genre, sur Instant Gaming, au cas où. On est arrivé... Découvert chantier naval d'Albert. Albert. Albert. Albert le cinquième mousquetaire. Pardon. C'est bon. J'ai mes vieilles refs. Nous y voici. Maintenant, dirige-toi vers le chantier naval d'Albert. Avec un troublon chargé de spaghetti à la sauce bolognaise. J'ai pas dit le cinquième, j'ai dit quoi? C'est trop tard. Ah, ouf, j'ai bien dit le cinquième. On a les mêmes rêves. J'adore. Je regardais tout le temps ça quand j'étais petit. Maintenant, dirige-toi vers le chantier naval et améliore ta table à dessin. C'est le seul moyen de ranger ce fouillis. Je me demande ce qu'on y trouve. À l'odeur, je dirais différents types de saleté et de poussière. Avec un tronc chargé. Il se nomme Albert. Albert. Albert le cinquième mousquetaire. Oh là là, je suis en tête maintenant. Par ici. Bienvenue dans mon chantier naval, jeune voyageuse. Là où mes prix sont les meilleurs amis des clients. Bonne nuit, elfe bon. Dors bien, repose-toi bien. C'est bientôt le week-end. Je suis Albert, le cinquième mousquetaire. Pardon. J'œuvre dans l'industrie de la construction navale depuis des années. Par contre, le... Hey, baby girl. Le OE, ça ne va pas. Et bonsoir, Chris. Dois-je comprendre que tu es la nouvelle Spiritfarer, la passeuse d'âme? Mais oui, bien sûr que tu l'es. En tout cas, tu as été capable de mettre les voiles et de mener ce bateau jusqu'ici. Gwen a eu raison de te guider vers mon humble entreprise. Ah, laisse-moi voir ce que tu as ici. Beau petit rafio. C'est drôle, il est identique à un bateau que j'ai construit il y a longtemps et entreposé dans mon vieux chantier naval. Tu vois, Sharon était mécontent de son arche sombre et humide. En fait, il se plaignait toujours de quelque chose. Mais le client a toujours raison. Je lui ai donc construit un nouvel engin, un meilleur. Mais évidemment, il n'aurait jamais abandonné son autre barque. Ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Mais ne t'inquiète pas, tu peux garder ce bateau. Appelons ça un prêt. Et bonsoir, Zving. Zving. C'est la même chose. La base. Comment se dit les arrivants? Ouais, Chris, Miss Click. On peut l'applaudir. Non, il y a Chris qui a fait un Miss Click et qui a ban... Enfin, qui a Théo pendant 600 secondes, Bado. J'ai eu un peu de lait, t'as vu. Laisse-moi te raconter quelque chose. Tu sais, comme nous blaguons à propos de la con... Tu sais comme nous blaguons à propos de la construction ici. Ne t'en fais pas, nous y travaillons encore. En tout cas, avec un peu d'amour, cet oiseau prendra son envol. La première chose dont tu as besoin est une bonne table à dessin. Puisque c'est ton jour de chance et que je me sens généreux, je t'offre ta première table à dessin. Gratuitement! Garde en tête que ces fonctionnalités sont quelque peu minimales. Mais les améliorations que tu voudras y faire sont disponibles à faible coût, à tel point que tu les voudras presque immédiatement. Je suis obligé de dormir près de ma femme pour un câlin du chien, c'est fou ça. C'est magnifique. Tu n'as qu'à m'indiquer une amélioration à faire au bateau. Ok. Améliorer. Alors. Table à dessin, bah... Ok, c'est gratuit. Et bonsoir Coco.
Ah oui, Coco, je voulais te dire. Je voulais te demander sur quelle plateforme tu joues à Breath of the Wild. C'est-à-dire que j'ai un lit king size. Du coup, quand on est dans le lit, il y a un immense espace entre nous. C'est vrai. Switch. Non, mais. Breath of the Wild, il n'y a pas que sur Switch. Hein. Il y a aussi sur Wii U. J'ai vu que t'avais un peu de mal avec la visée, donc n'hésite pas de temps en temps. Enfin, si tu as activé comment dire, le gyroscope, à utiliser le gyroscope sur Wii quoi, Wii Je joue sur Twitch. Tu joues sur Twitch, ok. Twitch, pardon. T'inquiète. Et je voulais te dire autre chose sur ton LP de Breath of the Wild. Si tu vois des trucs bizarres, n'hésite pas à aller voir. Wii U, tu sais, la console qui a été vendue en annonçant un nouveau jeu Zelda. C'est à peu près ça. Qui est sorti à la fin de la vie de la console. Ah, mais c'est une très bonne console, hein. Oh. Il y a eu de très bons jeux dessus. Bon, qui sont tous en train de ressortir sur Switch, mais. Voilà. Tu pourras construire et modifier tes bâtiments sur le bateau. Quel bonheur. Mais si tu veux vraiment améliorer la taille de ton bateau et son confort, je suis ton homme. Je mets 10 ans, Mario Brossu est pas mal. Je sais pas, jamais essayé. Je testerai un jour. Tu reviendras lorsque ton bateau te paraîtra trop bondé. Salut! Ok. Enfin! Bien! Albert te l'a donné gratuitement? Et il a dit qu'il te prêtait le bateau? Inquiétant. Il est difficile de savoir ce qu'il avait en tête, mais cela ne semble pas très rassurant. Je suis avec Luigi inclus, c'est du Mario Platform, quoi. Oui, Super Luigi. Super Luigi Bros. U. Voilà ça. Peu importe, essayons de nous concentrer sur notre tâche. Nettoyer ce pont. Tu peux aller à la table à dessin au-dessus de ta cabine et sélectionner l'option modifiée. Grâce à elle, tu seras capable de déplacer tous les bâtiments et de récupérer leurs ressources. Vas-y, je t'attendrai ici. Non, c'est pas ici? Ah oui, je viens de l'avoir. Ok, modifié. Ok. Ah non, on peut déconstruire, ok, déconstruire c'est ça. Alors on récupérera 20 bûches d'érable, 3 bouteilles vides, 2 vieux souliers et un vieux tapis. Mais moi je voulais garder le fauteuil. Merveilleux. Tu as fait un travail merveilleux, Stella. Pas fait grand-chose. Pas eu de soucis, personne en jouant sur la Switch. Pour viser, il suffit de j'appuie un peu trop sur le stick, ça part sur l'autre côté de l'écran. Ouais, moi j'ai pas eu non plus de soucis. Enfin, moi j'ai pas eu de soucis sur Wii U, parce que je l'ai sur Wii U, moi. C'est quoi le but de ton jeu, du coup? Alors, nous incarnons Stella, qui est la passeuse d'âme, avec son petit chat. Daffodil et je crois qu'on doit passer les âmes de gens d'un côté du monde à l'autre côté du monde. C'est un jeu tout reposant, tout mignon. Maintenant, je pense qu'il y aura des épreuves, mais pour l'instant, voilà, on est vraiment au début. Il y a les bases, on est sur un bateau, et à mon avis, on va aller d'île en île. C'est un jeu de plateforme indépendant, sorti sur Switch, et sur Ensuite, sorti d'abord sur Switch et ensuite sur toutes les autres consoles, je crois. Et PC aussi. Je sais pas si c'est un truc de sauvegarde. Et voilà, c'est très beau déjà. C'est très très beau. Le but du jeu, c'est de pas pleurer. Fais chier!
J'ai pleuré, voilà. Bref. Je suis quelqu'un de très sensible en vrai. Bon. Et la bonne nouvelle, c'est que tu as assez de ressources pour ajouter une maison d'invité à ton bateau. Une commodité essentielle. Les esprits nouvellement acquis, comme moi, ont un endroit temporaire pour se relaxer et dormir. Bon, dormir, pas vraiment. Je peux t'assurer que personne ne veut passer plus d'une nuit là-dedans. Mais c'est mieux que dormir sur le pont. Les étoiles sont belles, mais le bois est si dur et l'humidité difficilement tolérable. Je laisse ça entre tes mains. Amuse-toi. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Est-ce qu'il y a un truc pour sauvegarder? Non. C'est normal que je ne peux pas sauver. Oui, c'est parce que tu l'es déjà. J'ai eu comme un écho, non, à peine. Alors, construire. Un champ, non. Un jardin, non plus. Et une cuisine pour mes besoins culinaires, non. Une maison d'invité, tout le monde est bienvenu dans la maison d'invité. Une maison d'invité, ça me rappelle quelqu'un. Oui, mais je veux poursuivre et il veut pas. Alors, si c'est pas ton prime, il se poursuit automatiquement. Voilà. Et si tu ne veux pas qu'il ne se poursuive, je clique sur poursuivre l'abonnement et il me dit achat impossible. T'es sûr que tu l'es pas déjà, que tu as pas déjà. T'es sûr que tu l'as annulé en premier, en premier lieu? Ou alors tu dois attendre le comment dire? Tu dois attendre le prochain mois en fait. J'attends toujours de ne plus être abonné. Et bonsoir, monsieur chat! J'avais pris sur mobile, j'ai annulé l'automatique pour repasser sur PC, plus cher sur mobile. Oui, c'est plus cher sur mobile. Genre, de 5 balles, tu passes à 6 balles, tu fais. Merci. Le pire! Vous savez, c'est quoi le pire? C'est que Google ne facture plus les 30% à Twitch. Du coup, Twitch prend réellement un bal de plus, quoi. C'est honteux. C'est vraiment franchement honteux de la part de Google. De Twitch. J'ai pas enregistré ma carte, donc je me fous de toi. Désolé pour le Théo. Ah bah quand même, un quart d'heure plus tard, t'sais. Rigole, cri. Ok. On peut pas lui parler. Cette maison d'invité est très jolie. Il fait trop noir pour naviguer, sera possible à nouveau au lever du soleil. Ok. C'est à cause de tes ajouts. Beau travail, comme d'habitude. Au moins maintenant, j'ai un endroit pour m'asseoir et profiter du paysage. Oh! Attends. Que se passe-t-il? Il se passe quelque chose? Ah! J'aurais dû penser. J'ai faim. J'ai très faim. Tu sais à quel point je suis une mauvaise cuisinière. Mais je me rappelle que toi, tu es excellente. Et tu dois avoir pêché quelques poissons déjà. Un abo sur iOS, c'est 7 balles, je crois. Ah bah, alors, c'est qui. Enfin, enfin, bref. En fait, le truc, c'est que. Les achats in-app, donc dans les applications, Google et Apple se prennent une taxe de 30% dessus. Donc. C'était pour Zing, mais le chat a défilé. C'était dans un combat. Bah, bravo. Ouais, les shops prennent 30%. Enfin, maintenant, ça dépend. Parce que Apple, avec le truc avec Epic, ils ont modifié leur truc. En gros, pour ceux qui font moins de 1 million de dollars par an, la taxe Apple s'élève à 15%. Une fois que tu passes les 1 million, ils te reprennent les 30%. Ça représente 98% des développeurs, mais seulement. Donc 98% des applications payantes, mais seulement ça représente 2% en fait des revenus que Apple touche. L'argent, oui, l'argent, de l'argent!
Ah, ces gens qui jouent sur Dofus ou qui ont rencontré leur femme sur Dofus. Plus d'argent? Bah oui, genre il est passé. Il est passé. Ils sont pas assez riches chez Apple, tu vois. Alors, le problème, c'est que je ne peux pas manger un poisson entier cru. Bien sûr, je pourrais essayer, mais je risque de m'étouffer avec une arête. Et je ne pas survivre. Ce n'est pas comme ça que tu veux que je meure. Aussi absurde que cela puisse paraître. Tu devrais utiliser la table à dessin et construire une cuisine à bord. Elle dit, il y a un problème. Je rigole, Ziette. Je suis presque sûr d'en avoir vu les plans sur la table, tout comme les ressources nécessaires. Merde. Tu as besoin de gelée scintillante. Il n'y a qu'une seule façon d'en obtenir. Écoute, j'aurais dû te le dire quand je t'ai rencontré. Quelque chose me terrifie à mort. Une présence sinistre qui me fige. Oh, le chat qui fait miaou. Tu joues aussi. Alors cette Juliette, il a rencontré sa femme sur Dofus. Et moi, un deuxième écran que je puisse chiller sur Valhalla avec ton stream sur notre écran. Ah, ouais, mais chill pas trop, hein, tu risques d'avancer dans la quête principale. Elle dit bien sûr au lieu de dire au revoir. Non, c'est... Oui, bah oups. Tu penses que je ne t'ai pas entendu? Quand je faisais mon crumble ce matin, j'ai mis ta rediff. C'est une époque, oui, je dois avoir 15-16 persos, 200. Un grand vide qui avale tout, même la lumière. Elle peut prendre différentes formes. Mais pour moi, ça a toujours été la méduse. Oui, je sais à quel point c'est ironique. La gelée scintillante dont tu as besoin pour construire la cuisine est... Eh bien, seules les méduses peuvent t'en donner. Alors, il n'y a pas d'autre option. Je devrais affronter ma peur. Mais tu es ici. Avec toi, je peux le faire. Elles seront représentées sur ta carte par une tache sombre et inquiétante. Tu ne peux pas les rater. Vas-y, je vais me préparer. Celle-là, oui. Ah, oui, j'ai oublié de te dire quelque chose. Comme tu vois, ce bateau jette l'ancre la nuit. Je pense que c'est dû à la lumière de ta lanternelle. Ou à un autre détail. Ceci étant dit, ça permet aux gens de dormir sans être dérangés. Pendant ce temps, tu peux faire ce que tu veux, t'attaquer à des tâches, à finir, ou te détendre sur le pont en regardant les étoiles. Je te suggère d'aller dormir aussi dans la pièce confortable au-dessus de ta cabine. Tu te réveilleras en pleine forme et prête à partir le bateau, et le bateau se remettra en route au petit matin. Parlons de cela. Tu me connais? Me réveiller à l'heure n'a jamais été mon fort. Tu peux sonner cette cloche pour réveiller tout le monde, mais rappelle-toi, ne sonne qu'au bon moment. Tôt le matin, ça devrait aller. En parlant de temps, c'est l'heure que je fasse une sieste. À demain, Stella. Bonne nuit. Alors, du coup, va chasser les méduses. Ils ont perdu de cartes. Et ici? Faites honneur pour naviguer. Ok, je vais aller dormir. Jusqu'au matin, oui. Appuyez sur LB pour activer et désactiver l'horloge et afficher la trajectoire. Ok. Ah, les méduses. Ça doit être ça là-bas. C'est beau. Oh. Oh, un mini jeu de pêche. Yeah. D'aménager le bateau en fait, entre autres. Et
Et faire des quêtes. Non, tout le jeu se passe pas sur le bateau, je crois pas en tout cas. Non, parce que d'après ce que j'ai vu, il y a des plateformes. Oh, le chat il fait miaou. Voilà où nous en sommes. Merde, elles arrivent. Rappelle-toi de garder l'œil sur celles qui ont de la gelée scintillante. Elles sont assez visibles. Cela étant dit, fais-en éclater le plus possible, tu obtiendras des lueurs de toute façon. Allez, vas-y. Non! Et comment je fais? Quand Stella ou Daffodil quittent le bateau, ces données s'arrêtent. Ok. Je dois juste leur sauter dessus? Ah oui! Ok. Ah, la musique. La musique est géniale. Que je vais mettre dans ma liste de souhaits, t'as vu? Oh, c'est beau. Vas-y, vas-y, non, vas-y, c'est bon. Il y en a plus. Fantastique. Ok. Je suis très impressionné. Tu as été super. Culbutant et plongeant comme une étoile filante. Moi aussi, direct sur ma wishlist. Ouais, franchement. Il y a des Anari dans le jeu, bah apparemment. Il y a passage sur Terre, sauf erreur de ma part. Ouais, je pense avoir vu des passages sur Terre. C'est un peu une vibe Stardew Valley sans une abeille à cultiver. Il y a des... Apparemment, il y a un jardin, enfin, il y a un potager. Du coup, il y aura des trucs à cultiver, je crois. Le temps est plongeant, oui, sans hésitation et sans peur. Tu n'as vraiment pas perdu la main, Stella. Tu as même recueilli assez de gelée scintillante pour construire une cuisine digne de ce nom. Lance-toi, je t'attendrai patiemment en me digérant lentement de l'intérieur. On dirait moi quand j'ai faim, je me digère de l'intérieur. Construire. Alors, champ, jardin, cuisine. Ah. Oh! Ah, c'est beau! Tu peux désormais utiliser le four. Cela devrait être simple. Tu mets des aliments au four et tu attends que ce soit cuit. Tu pourras même y mettre ces grains de maïs que j'ai au fond des poches. J'ai hâte de te retrouver à la barre de la cuisine. Tu es capable. Alors. GG, tu as droit à une Stella hors 3. Bah vous allez arrêter avec les références belges. J'ai mis dans ma liste Switch. Sinon, on se partage pas la bibliothèque Steam, Zviet. Gère de l'intérieur, pas mal. 135 heures, la durée de vie et plusieurs dizaines d'heures en plus pour le 100%. Ah ouais, quand même. Alors, on peut cuisiner ça, on peut cuisiner ça ou ça. Ok, et ça c'est recette. J'ai pas de recette. Ok. On va faire un poisson. Non. Ok.
quand j'y joue, forcément, ça marche pas, généralement. De quoi bibliothèque Steam? Ben en fait, je te partage ma bibliothèque Steam, donc tu peux jouer à mes jeux. Je vais regarder Nas, ça sort, du coup j'ai streamer. Oh! Ne me demande pas comment, mais j'ai déjà rencontré Albert le bricoleur. C'est tout un requin. Mais son amour des choses maritimes sera utile, tout comme les améliorations au bateau qu'il voit à prix d'or. Créer avec deux stylos, tu iras plus vite. Avec ces améliorations, tu seras capable de traverser ces sinistres intempéries qui te bloquent le passage. Deux claviers alors. Sur deux PC différents. Oh, c'est prêt. Ça me semble être encore de bien mythiques défis. C'était un peu cliché, si tu veux mon avis. Je pense que j'ai oublié une phrase. C'est pas grave. Oh, avec ses maniques. Je peux le sentir. Pourrais manger n'importe quoi. Donne-moi de la nourriture. Eh bien, je ne suis pas morte encore. Merci Stella, c'est meilleur que je ne l'aurais cru. Tu as toujours été une merveilleuse cuisinière, je le répète. N'ayez pas l'esprit, ne vive pas de soleil et d'eau. Nous avons besoin d'un bon repas une fois de temps en temps. Ce sera à toi de comprendre ce que chaque personne préfère. De mon côté, je suis sûr que tu t'en rappelles. J'ai toujours adoré la nourriture réconfortante. Et je pourrais donner ma vie pour une tasse de café. Bonsoir, Stimmy. Mais je ne suis pas si difficile, je peux manger n'importe quoi. Mais pas deux fois de suite. Oh, et avant que j'oublie, voici un petit quelque chose que je devais te donner. Je ne suis pas sûr de comprendre comment il fonctionne, mais l'obol symbolise le passage. C'est le droit de passage que chaque esprit doit te verser. Mais quelque chose me dit que tu sais déjà tout ça, non? Bon, continue à améliorer cette embarcation. Comme tu as pu le voir, il y a sur ta table à dessin des plans pour un jardin, un champ et un jardin. Ce qui signifie que tu peux cultiver plusieurs choses différentes et transformer ce bateau en une adorable ferme. Tu devras premièrement ajouter un champ, à mon avis. Ce sera plus facile d'en trouver les ressources aux alentours et tu pourras y faire pousser du lin. Ça te sera utile pour fabriquer encore plus de choses. En plus de construire un champ, nous devrions aller acheter des graines à y planter. Mais ça viendra plus tard. J'ai besoin que tu visites une île près d'ici. Et elle se nomme Lance Amostein. Et il y a quelque chose là-bas dont nous avons besoin. Je te le dirai quand nous serons rendus. J'ai reçu une obole. Alors, est-ce que je peux construire ça? Non. Et ça, non plus. Il faut des bûches et des éclairs en bouteille, ok. Non, c'est pas là que je voulais aller. Nouveau. Ah ben, on va pêcher pendant ce temps-là. Oh, c'est tellement reposant. Si vous endormez, je ne vous en voudrais pas. De manière, si vous endormez à n'importe lequel de mes streams, je vous en voudrais pas. C'est même plutôt un compliment d'ailleurs. Ça veut dire que en large leur péniche. On voit ceux qui connaissent cette blague. C'était sur Bash FR que je l'avais vu, je crois. Oups. Et on est bientôt arrivé à destination. Un dernier poisson. Là, oui. Tu sais que je me délègue de ta présence ici avec moi, mais je ne suis pas du tout surprise. Cela est censé. Tu es ici, tu prends soin de moi durant mes dernières heures. Tu as toujours protégé ceux que tu trouvais vulnérables. Et même les snobs, les pédants comme moi. Te rappelles-tu le jour où mon père a crié contre le chat? Nous quittions l'école primaire. Tu portais tes baskets bleues à motifs dorés.
Et tout d'un coup, tu t'es mise à crier contre mon père, comme si tu étais investi d'une mission. Mon père est devenu rouge et a brisé le vase des anneaux violets. C'était top. Regarde ça. Découvert Hans Mostein. Nous devrions descendre sur l'île là-bas. Nous y trouverons peut-être quelque chose d'intéressant. Et coucou Lorex. Ok, on a trouvé des bouteilles, une bouteille vide et une bouteille moyenne de lueur. Ok. Quel arbre majestueux. Bon, tu peux le couper. Oui, c'est bon, je te le promets. C'est même la meilleure façon de te procurer le bois dont tu as besoin. T'inquiète pas, il repoussera avec le temps. Une autre propriété intéressante de la lanternelle. Oh, excellent. Ah, d'accord, ok. C'est moi qui dois scier avec le stick. Attention, le petit chat. C'est bon. Ça va être toi, Lorex. Bien joué. Félicitations. Tu es désormais la mort. La destructrice des mondes. Sans blague, c'est comme ça qu'il faut faire. Vas-y, coupe plus d'arbres. Et nous pourrions retourner sur le bateau et construire un champ avec des bûches d'érable. Je serai près du radeau. Hop. On ramasse des framboises. Ah ouais, des framboises, c'est trop bon ça. Ah merde! Ma souris décède. Ah! Moi, ma souris, elle tient. C'est une G5 sans doute chez Logitech. J'ai payé le prix fort. Maintenir X le plus longtemps possible pour briser un gisement minier. Ah mince, d'accord. Non mais... Pour bien efficacement relâcher X le plus tard possible avant de tomber. Oui. Ok. J'aime le pauvre. C'est une style série rival 100 qui fait très bien le taf jusqu'à l'heure, je comprends pas trop. Tu l'as acheté il y a longtemps peut-être. Moi je sais pas combien de temps que je... Ça fait combien de temps que je l'ai, je pense que ça fait... 5 ans... Ouais, 5 ans et demi. Moi ça fait pas ça quand j'utilise une pioche, bonne question. Ça y est, du guenille est un peu différente. Moi c'est le chat qui vomit. Ah. Pauvre chat. Construire. Ah oui, c'est X pour valider. Je peux faire du calcaire. Je peux faire du machin. Pas du calcaire, du... Un champ. Oh là là. C'est pas mieux de le mettre tout en haut, je sais pas. Je vais mettre là. Au pire, on le déplace. Je pense qu'on peut le déplacer. Mais ma femme a nettoyé. Ça m'étonne pas que ce soit elle qui ait nettoyé. Le gros enfoiré. Ah, c'est plus joli que je ne l'aurais cru. C'est un petit je ne sais quoi. Simple mais élégant. Maintenant, il ne reste qu'à planter quelques graines du champ ici. Les graines ne peuvent plus pousser... Ne peuvent pousser que dans les lieux qui leur sont réservés. Les graines du jardin ne pousseront pas dans un champ. Alors ce n'est pas la peine d'essayer. Mais tu me connais, je tuerai un cactus en plastique, alors ne m'écoute pas trop.
n'avais pas été là, j'aurais changé de chambre, oui, je sais. En tout cas, il n'y a qu'un endroit où tu peux trouver tout ce dont tu as besoin. Théodore est le spécialiste des graines. Il y a une boutique à Hummingbird, la ville la plus occupée des environs. Théodore et ses frères sont les fondateurs de Raccoon Inc., une franchise douteuse avec très peu de valeur morale. Oui, ce monde a un sérieux problème de pratiques commerciales suspectes, j'avoue. Comme je ne veux pas que tu te fasses rouler, je vais venir avec toi. Et c'est moi qui parlerai. Je suis tombé sur ce petit raton insolent une fois, et sa malhonnêteté était flagrante. Allons à Hummingbird alors. Allons à Hummingbird, hop. Oh, alors ici c'est quoi? Des caisses. On va récupérer les caisses avant peut-être. Je sais pas si elle va nous prendre du temps ou pas. Mon lien est indexé, je dois payer 2,50 € en plus, pays capitaliste. Fais! Fais! Il fait trop noir, oh non! Ah, oh, le petit chat qui fait miaou. Miaou. T'as entendu? Ok. Le bateau est en train de reprendre la route. Ça ressemble à quoi à l'intérieur? Oh. On peut pas lui parler. Les caisses. C'est quoi ici ce truc? Tenir machin et A pour plonger. Le calcaire. Bonne nuit, Juliette! Le jeu va te bercer. D'accord, ok. Je crois qu'on a plus ou moins tout récupéré. Ah non, on a sûrement pas tout récupéré. Un câlin au chat, tu m'attendais pas. Non, mais on a récupéré les coquillages qui se sont mis sur le bateau. Et le truc à récup que j'ai raté, non, il n'y a pas l'air. Et devant, il y a quelque chose. Je sais que j'étais voir, mais j'ai oublié. Non, ok. Ah, on a un wild chat dans l'eau. Bon, bon, bon.
J'ai ce drôle de sentiment. J'ai en fait assez faim. Ok. Donc je lui prépare un truc à manger. Donc on va lui faire ça tout de suite. On va cuisiner des framboises. Allez, soyons fous. Voilà. On va mettre le cap vers l'endroit où elle nous a dit d'aller. Le temps que le machin cuise. Ce jeu est trop beau et trop reposant aussi. Ah, c'est bientôt fini. Alors je lui ai préparé autre chose parce que elle m'a dit que elle n'aimait pas manger deux fois la même chose. C'est prêt. Des fruits pochés. Hemingbert nous attend. Oui. Nourriture. Non, désolé, Stella. Tu sais que je ne peux pas manger de fruits, pour l'amour de Dieu. J'ai essayé, je ne peux juste pas. Du coup, les fruits pochés, ça ne va pas? Non, les fruits pochés, ça ne va pas non plus. Bah, on va te faire. On va te faire ça, hein. Du maïs. Ah, c'est prêt. Du pop-corn. Oh, mais c'est là, j'aime tellement ces foutus aliments réconfortants. D'accord. Et elle apprécie. Son affection augmente. Et pas son infection au cas où. Je vous vois venir. Bon, on peut pêcher un poisson. Je pense que ça peut nous être utile quand on aura d'autres esprits à bord. Parce que je sais qu'on aura d'autres esprits à bord, forcément. Et on est arrivé. Hummingberg. Nous sommes ici. Allons acheter quelques graines. Théodore tient boutique sur l'île. Rendons-lui. Pardon, rendons-lui visite. Non. Très pratique cette lanternelle. C'est déjà 1h15 qu'on est en live. Je suis ici à la recherche de la bonne maison pour fonder une famille. Ma femme veut que je trouve le nid qui répond à nos besoins. Un jardin peut-être, une piscine. Je ne demande pas grand-chose, mais je n'arrive pas à me décider. Je sais que tu ne peux pas m'aider, mais ça me fait du bien de le dire tout haut. Je pourrais tomber sur la perle rare. Ouais, j'espère que ma prochaine partie sera bientôt prête. J'ai testé les données et j'ai passé 5 nuits à ébaucher des théories. Clairement, si tu prends la spécialisation en armes lourdes de la montagne des gnomes, il y a une synergie cool avec l'habileté rôdeur de niveau 3 et viscéré. C'est en effet un peu bizarre, mais... Et 2D20 plus autocrit, ça ne peut pas être battu, non? Oh! Regarde bien ce sanctuaire, Stella. Il est tout simplement superbe. Certains objets dans ce monde sont faits pour vibrer au diapason du Spiritfarer et de la Lanternelle. J'ai entendu dire que ce monument a la force d'améliorer les pouvoirs de la Lanternelle. Les deux emplacements s'y trouvant doivent être occupés. Je suis assez certaine que tu dois y déposer deux oboles pour l'activer. Mais pour obtenir des oboles, tu dois acquérir plus d'esprits à bord de ton bateau. Je suis sûr que tu vas trouver bientôt plus d'âmes perdues comme moi.
les germes de demain. Je suis désolé, je suis un peu à la course. Non. D'accord, je suis rentré chez les gens sans le vouloir. C'est trop cool. Retourne à la maison, ne me suis pas, s'il te plaît. Je déteste quand on sait où j'habite. Si tu connais mon adresse, tu le diras à des gens. Ces gens vont le dire à d'autres gens. Écoute, je ne veux pas de courrier indésirable. Le gars, il veut éviter les spams. Laisse-moi deviner, j'ai quelques dons de voyance, tu sais. Ton nom est ma Marie. Marguerite. C'est Missy. Attends, non. Esh. Ne me dis pas, c'est. Oh crotte. Je le trouverai bien un jour. J'adore. J'adore l'humour. Voilà Théodore. Vas-y, jette un coup d'œil à ce qu'il vend. Alors. Cette clé ouvre la porte attenante à l'échelle brisée de Hummington. 50 000 machins. J'en ai 400. Graines de lin. Enfin, des graines de. Donc, de lin, de maïs, de caféier, de carottes et de navets. Et on a du calcaire. Alors, c'est 400 ou c'est 400 000 que j'ai. Non, c'est 400, hein. Qu'est-ce que c'était que ça? Ces prix sont hors de contrôle. Je ne laisserai pas s'en sortir comme ça. Es-tu prête à me voir anéantir ce marchand? Oui. Bien, faisons cela. Théodore, je sais ce que tu fais ici. Tu devrais avoir honte, sale rat... Tu devrais avoir honte, sale raton des ruelles. Les gens comme toi sont la raison pour laquelle nous avons deux majeurs. Nous avons deux majeurs. Oh là là, ce jeu. Quoi? Madame, qu'est-ce que tout cela signifie? Mon amie ici est la nouvelle passeuse d'âme, mais elle n'est pas une débutante. Et moi non plus. Votre petite escroquerie ne fonctionnera pas avec nous. Mais je t'assure que mes pratiques commerciales sont assez honnêtes. Prends garde, déloyal rarayé. Je ne tolérerai plus ce comportement de une seconde de plus. Plus de manigance, plus de trahison, que des prix justes. Sois donc honnête pour une fois. Et quand je te recroiserai, j'essaierai d'être plus sympathique. Si tu agis plus intelligemment. Tu piges? Mais, oui. Oui, évidemment. Je te promets que j'ajusterai mes prix. Je t'en supplie, ne me compte plus. Je t'offrirai même un rabais. Oh. Et toi? Oui, toi. Ton ami a vraiment fait voir... On a fait vraiment fait voir de toutes les couleurs à cet avare de marchand. Vous semblez toutes les deux prêtes à rejoindre le gang duo. Tu veux te joindre à nous, n'est-ce pas? Je peux le voir dans tes yeux. Je ne mentirai pas, c'est assez cool d'être là-haut. Ouais. Toutes les meilleures personnes s'y trouvent. Mais ne t'excite pas trop, hein. Un idiot a brisé l'échelle. Tu devrais être capable de sauter à une hauteur inhumaine pour y arriver. J'imagine que tu peux aussi utiliser les escaliers de cette maison. Mais un idiot en a perdu la clé. Eh bien, en tout cas, à bientôt. Longue vie au gang duo. Ils ont dit que si j'appuyais longtemps sur A, je pouvais sauter plus haut, mais j'ai pas l'impression... Ouais, 3 cm plus haut. Ok, d'accord. Parlez. Entre là, cliente potentielle. Bienvenue chez Raccoon Inc. Nous desservons Hummingberg depuis toujours. Tu as des lueurs. On allait bien. J'ai toutes les marchandises pour te faire dépenser ces difficilement acquises lueurs. Entre là. Acheter. Alors, on va acheter quelques graines. On va acheter du caféier. Parce que je sais qu'elle voulait du café, du maïs, du lin. Bon, on va prendre un de tout. Voilà. Mmh.
Si tu as tout ce dont tu as besoin, je vais y aller. Reste aussi longtemps que tu veux ici. Rejoignons-nous au quai. Je suis occupé, mademoiselle. Ok. Ouais, j'ai pas la clé. Bonne journée à toi. Nous ne sommes pas amis. Ah. Votre ami pour rentrer chez les gens. Une promenade par jour éloigne le médecin pour toujours. Ce qui me rappelle que je n'ai pas vu le médecin depuis des lustres. Oh non. Pourquoi est-ce que je pense à la santé tout à coup? Est-ce que je me sens malade soudainement? Je ne suis pas malade, ça va. Ah, j'ai récupéré des graines. Ah oui, il y a des trucs à récupérer. Des graines encore. J'aurais pas dû dépenser toute ma thune. Il y en a récupéré. Ok, il y a rien à récupérer. Attendez une seconde, je vais voir un truc. Ok, ça va. Alors, faisons-lui un câlin. Oh. Merci. Elle apprécie. Tu veux maintenant planter des graines ici? Et c'est là? Ouais, comment je fais? D'accord, ok, je viens de voir une porte invisible. Alors, on va faire des graines de lin. Génial. Des graines de caféier. Et des graines de maïs. Voilà. Graines de grain, de lin. Tu as le pouce aussi vert que ton chapeau. Ce bateau deviendra bientôt une douillette ferme flottante. N'oublie pas d'arroser les plantes de temps en temps, mais ne compte pas sur moi pour ça. Ma connaissance du jardinage est aussi faible que l'état d'empathie de mon père. Tu devrais trouver une meilleure mandat que moi, ce qui me rappelle. Je crois qu'il est temps pour toi de trouver de nouvelles personnes. Pas que je n'aime pas l'idée de traverser les océans seul avec toi, mais tu es la spirit fareur. Et la spirit fareur trouve des esprits. Eh oui, elle les aide à remplir leurs derniers vœux, aussi mondains qu'ils peuvent être. J'ai entendu parler d'un endroit près d'ici où quelqu'un aurait besoin de ton aide. Et je te gage que tu l'aimeras, si c'est qui je pense. Allons, levons les voiles. Alors non. Comment est-ce que je peux arroser les plantes en fait? Ah d'accord, le truc magique, la lanternelle est un arrosoir magique aussi. Nice! En tout cas, c'est très beau et très reposant. Ça change des jeux où tu tues des gens. Enfin, même si là, tu passes leurs âmes. Parce que ce sont des gens mourants. Ah oui, non.
On doit aller là-bas, mais... J'irais bien récupérer les méduses ici. Bonsoir, Bastien. Birkensheim. Elle sort de ton antre. Non mais... Tu joues à quel jeu? Je joue à Spiritfarer, c'est un jeu indé. C'est un jeu indé qui est sorti à l'été 2020. C'est un jeu de plateforme... C'est un mélange entre plateforme, gestion... Quoique les phases de plateforme sont très... Enfin, pour l'instant, elles ne sont pas non plus des plus compliquées. C'est vraiment chouette. Ça s'appelle Spiritfarer. Bonbon. Je mangerais bien un amuse-bouche. Ok, est-ce que je peux faire ça? Je prends note, oui, c'est. Apparemment, enfin, il a des critiques élogieuses, il est très reposant. Est-ce que j'ai des recettes? Ok. Collation, petit dessert. Okay. On incarne apparemment une passeuse d'âme. Ah, on va couper du bois, tiens. Un peu. Ça sera toujours utile. Bois qu'on peut couper ici. Hey! Oh! Très bien! Tu es là! Écoute, je viens d'échapper à un citron dans l'étang. Mes doigts étaient tout collants. Ça a juste glissé. Comment? C'est une bonne question. J'ai mangé des baies toute la journée. Regarde mes mains, je te le jure. Je faisais des expériences. Je voulais ajouter un peu d'agrumes à ces fruits sauvages. Mais là, ce ne sont que des baies sans saveur. Sauf si, il est juste ici, dans l'eau. Je le ferai moi-même, mais je dois m'occuper de ces petits fruits. On a récupéré un citron. C'est celui-là. J'ai seulement besoin d'un mouchoir ou de quelque chose comme ça. Je ne veux pas avoir de jus de baie partout. Peu importe. Tiens ce citron pour moi. Mais ne le presse pas. Attends une minute. Tu peux peut-être m'aider. Il n'y a plus de nourriture sur cette île. Mon estomac est toujours vide. Je pourrais peut-être vous aider à bord du bateau. Pour cuisiner, pêcher et faire de la construction. Je n'ai pas mes épices et mes outils, mais je vais m'organiser. Je n'y pense pas trop. Montons à bord de ton bateau. Ok, le gars s'invite. On va couper tout le bois qu'on peut, hein. Ce sera utile. Ok.
Ok. Wow! Ce bateau est fantastique, mais attends, canaille. Ce qui s'en vient, c'est du lourd. Prépare-toi pour la réunion de famille. C'est moi, Stella, ton oncle Atoul. Surprise? Agréablement, j'espère. Je suis sur cette île depuis un moment. J'ai hâte de voir les lieux et la mer en ta compagnie. J'ai seul avec mes pensées. Maintenant, il y a toi, petite. Levons les voiles vers une grande aventure. En avant toute. Attends une seconde. Est-ce que c'est un... Est-ce que c'est un quoi? Je le savais. C'est une super flotte de mille. Je n'ai jamais vu de mes yeux. Je n'ai entendu que des rumeurs. Il paraît que tu peux attraper les poissons les plus gros et les plus brillants. Wow, Stella, tu sais comment te faire plaisir. Mais attends une seconde. Il te manque quelques boulons. Laisse-moi deviner. Tu ne pêches que des ordures. Eh bien, plus maintenant. Tu verras immédiatement la différence. Essaie-la devant moi. Oh, nice. Ah mince! Il y a la ligne qui a lâché. Oh là là! Un calmar! Beau travail, petite! Ils n'ont eu aucune chance, tu ne perds pas de temps. C'est ce qui fait de toi une pro. Mais cette pêche de champion m'a bien énervé. Ce qui me rappelle, j'avais cette chose brillante au fond de mes poches sur l'île. Je n'ai aucune idée à quoi elle sert. Je peux peut-être la prendre. La garder en sécurité, je suppose. Oh misère, je dois aller prendre l'air. Et en passant, tu es sûrement curieuse. Et tu en as sûrement déjà fait l'expérience. Mais oui, l'eau est très salée. Bon, je m'en vais me balader dans les environs. Tu peux pêcher autant que le cœur t'en dit si tu veux. Et on a une deuxième au bol. Jetterai un coup d'œil à ça. Tu as deux oboles. Te rappelles-tu du sanctuaire à Umberg? J'essaierai de les placer là-bas. Si nous sommes chanceuses, cela devrait avoir un effet formidable. Si nous ne sommes pas, tu auras perdu ton temps. Tu devrais aller voir. Alors, ouais, bonne idée. Je vais naviguer. Ah non. Ah, il y a plein de caisses et tout. C'est où? C'est ici? Et Mimber, ouais. Directement, hein, vilain croco, t'as vu? Alors. Donc, elle avait faim. Est-ce que je peux faire autre chose? Bah, on va cuire ça, voir ce que ça donne. Oh, ça fait un câlin. C'était bien, n'est-ce pas, ma chère nièce préférée? Oh. Stella, viens vite ici. C'est ce que j'appelle une tempête. Personne ne laisserait son ami se faire frapper par la foudre. Mais je crois que tu devrais l'essayer. Tu as ta lanterne, ça te protégera. Il y aura des étincelles où l'éclair frappera. Cours vers elle. J'avais oublié, as-tu des bouteilles vides? Si tu te fais attraper par la foudre avec une bouteille vide, tu veux capturer l'éclair dans ta bouteille. C'est pas fou, ça? Ce monde. Un éclair en bouteille est une ressource bien utile. Arrive donc bien équipé. Pour commencer, voici quelques bouteilles pour toi. Mais ne t'inquiète pas, c'est facile d'en trouver. Prépare-toi à l'aventure la plus électrisante de ta vie. Ok. Là, ici. Super. Ah, c'est génial. Oh. Ouais.
Mince. Ah, il joue de la flûte, l'oncle. T'envoies des fusées de SOS? Non, je capture des éclairs dans une bouteille. Attends. Une brochette de calmar. Attendez. Hop. Je vais juste voir. Genre. Cuisine raffinée. Ok. Je me demandais si tu résisterais plus d'une seconde là-bas. Tu as donné une de ces frousses à ton vieil oncle Atoul. As-tu entendu ce grondement? Quelle aventure! C'était trop chouette lorsque tu capturais ces éclairs partout sur le bateau. Merci d'être une capitaine rêvée. J'adore. Non. Non, je peux pas. C'est chiant, je vais faire le tour. Hop, une moule. Tiens, on n'a jamais cuisiné une moule en fait. On sera tout à l'heure. Cette nuit. Alors, double saut lorsque dans les airs, appuyez sur A à nouveau pour faire un double saut. Magnifique. Ah, le double sol des familles. Bon travail, tu as réussi. Bien joué, tu as réussi à monter ici. J'ai menti plutôt, ce n'est pas si chouette ici haut. Mais comme tu es là, ça devrait s'améliorer. Je n'ai pas de carte de monde pour toi, mais tu seras un membre honoraire de la gang du haut. Je te montrerai bien la poignée de main secrète, mais je ne sais pas à quoi tes mains ont touché. Oh, le mouton. Oui, jeune personne, dois-je comprendre que tu es occupé? Bien sûr que tu es occupé. Attends une seconde, tu n'as pas une cuisine entièrement équipée? Très bien lorsque ce sera le cas. J'ai toute une offre pour toi. Ok, d'accord. Ah non, elle est pas à l'extérieur cette fois. Récupérer des graines de lin. Quoi? Oh, tu m'as donné des frousses. Ce chat, il me dit quelque chose. Daffodil, est-ce que c'est toi? Oh oui, oui, c'est toi. Toujours aussi soyeuse, hein? Alors ça veut dire que Stella, c'est toi? Quelle fantastique tournure des événements! Est-ce que c'est ton bateau là-bas en mer?
Je vois, tu es venu me sauver encore. Mais attends, pas si vite. Cette fois-ci, c'est moi qui enseigne. Tu peux compter sur moi. Allons alors. Nous avons quelques leçons à réviser. Ah, bah une nouvelle âme pour nous. Le chat qui reste sur sa lanternelle pour pas être dans l'eau. Ma sœur me demande toujours de l'argent. Comment refuser sans dire non? Je devrais peut-être demander à quelqu'un de me voler. Je ne veux pas prêter de l'argent à ma sœur. Donc vie au gang d'en haut. C'est combien? 5 000. Ok. Coucou Bulbi! Ça va? Arrête de gratter à la porte. Mais je suis un petit chat, c'est normal que je gratte à la porte. Trois heures pour naviguer, ça sera possible à nouveau au lever du soleil. Ok. Ah! Non, mais je veux rentrer ici? Peux pas rentrer dans le truc? Pourquoi donc? C'est nul. Par ici, mon petit? Oh, Stella, tout cet air, ce grand espace. Oui, je sens que je pourrais croître ici. Regarde-moi, je fleuris déjà. Un serpent? Ah oui. Oh, sortir de sa chrysalide, quel sentiment. Merci Stella. On peut enfin rentrer. Ok, on va planter. Bah, ici c'était du café. Ici c'était du maïs. Ah oui, si. J'ai encore du maïs. Non, j'aurais dû en acheter. Je peux planter du lin. Dommage qu'ils n'ont pas de thé. Je préfère le thé, moi. Maintenant, à propos du jardin. Oh Stella, tu ne trouves pas que ton bateau est un peu triste? Disons qu'il manque un peu de verdure. Imagine un petit jardin qui pourrait aussi servir de classe. Ça fait un moment que je pense à l'enseignement. Le cours s'intitulera Prendre soin des plantes de A à Lysée. Oui, bon, ça ne sonne pas si bien quand on le dit tout haut. Je dois peut-être travailler encore un peu plus l'intitulé. Ok. Alors, un jardin. Peux le mettre là. Comme ça. J'aime bien l'échelle, comme ça. Est-ce qu'elle aime les câlins? Oui. Ah, tu es gentil. Oui. J'ai un gosse. Je suis un gosse, putain. Allez, on va dormir. Ah bah elle est partie là-bas.
Alors, on va en profiter. On va aller choper quelques méduses. Quel magnifique petit jardin! Tu t'es surpassé, Stella. Très bien, nous sommes prêtes pour débuter la première leçon. Assure-toi d'avoir qu'il y ait des graines sur ce lopin de terre, elles seront importantes. On va planter des carottes et des navets. Attends. On arrive bientôt. Pour la première leçon, nous débuterons à quelque chose que je suis assez excité de partager. Ce monde obéit à d'étranges règles, comme tu as probablement déjà remarqué. J'ai toujours prêché l'amour envers tous les êtres vivants. Le jardin est le réceptacle de notre amour, un miroir que l'on se tend en soi-même, tu vois. Cela semble encore plus vrai aujourd'hui. Lorsque j'étais la seule sur mon île, je chantais pour les fleurs. Et comme je le croyais, elles ont poussé avec encore plus de vigueur. Au bout de quelques essais, j'ai réussi à écrire une petite chanson. Les plantes semblent y réagir particulièrement bien. J'aimerais mettre à l'épreuve avec toi cette observation. Va dans le jardin et essaye de jouer un morceau à tes plantes. Ok. Mais d'abord, je veux récupérer des méduses. Elles sont où les méduses? Pourquoi je peux pas récupérer les méduses? Bon. On n'est pas encore arrivé, c'est peut-être pour ça. Les méduses sont encore là. Rappelle-toi, tu n'as qu'à foncer sur elles pour en extraire la lumière. Tu ne seras pas blessé, je me sentirai moins nauséeuse. Je sais qu'elles reviendront, mais au moins ça me donnera un peu de temps. Qu'en dis-tu? N'aie pas peur, Stella. Ils reviendront expressément pour nous. Ah! Il fallait lui parler pour qu'elles arrivent, en fait, les méduses. Non merde. Je les ai ratés. Ok. Bon. Je ne pouvais pas expliquer au début. Et puis ça m'a frappé. Je meurs de faim. Ok. Tiens, on prend une brochette. Ah, c'est absolument exquis. Digne des meilleurs restaurants de cuisine raffinée que je connaisse. Je les ai beaucoup fréquentés. Merci beaucoup.
coup, je vais faire une petite chanson. On va les arroser. Parce qu'elles semblent un peu sèches. Allez, Y pour une chanson. C'est ça, hein. Non. Peut-être appuyer longtemps sur Y. Ah oui, c'est ça. Alors, X. Je vous lis pas. Parce que moi je l'ai dit rythme. Merde. Merde. Ah, oh, j'ai besoin de 10 minutes, c'est Guitar Hero. Ouais, ce jeu est trop cool. Assez incroyable. As-tu vu comme les plantes se balancent et poussent lorsqu'on les divertit? Hendrix est parmi nous. Tu t'es mis à OSM? Non. Je suis très mauvais à OSM. J'ai essayé, je suis très mauvais. Mais franchement, ce jeu est vraiment sympa. Ce jeu est ultra sympa. As-tu vu? Ok. N'est-ce pas fabuleux? Comme je suspectais, les émotions dans ce monde se manifestent plus vivement. Eh bien, je vais m'assurer de faire connaître au monde cette découverte fascinante. Et qui sait, les autres passagers savent peut-être aussi jouer de la musique. Ils pourraient nous aider si leur moral est bon. D'ailleurs, dans les citations des derniers jours, j'ai oublié quelque chose. Voilà, c'est pour toi. Cette pièce étrange m'a agacé dès mon arrivée. Je suis soulagé que ce ne soit pas encore une de ces allergies au pollen. Ah, et Noble. Ah, ok. Ah. Ah. On va replanter des carottes. Et des navets. Et le sol est encore assez humide. Petite. Mon dieu, comme le paysage est beau ici. La mer, le soleil, la brise sur ma peau. C'est parfait. Je suis heureux d'être à bord de ce bateau. Avec toi, ma nièce. J'aimerais que ta tante vive te voie en ce moment. Dirigeant ton propre bateau. Et dans ses esprits errants. Ça réchauffe vraiment le cœur. Je suis content que tu m'aies récupéré sur cette île. J'essaierai d'être le passager le moins embarrassant du bateau. Sauf pour la nourriture. Je n'arrêterai jamais de te demander de délicieux repas. Ok. Alors. Aime la sensation de la pluie sur sa peau et il a faim. On va lui donner à manger. On a ça, un petit dessert. Oh là là! Ce que j'aime, la nourriture! N'arrête pas de m'en ramener! Je n'en aurai jamais assez! On va cuisiner du poisson. Ah, on peut en cuire plusieurs. Mmh.
Tu as bien travaillé. Nous avons maintenant un vrai bateau. Tu devras désormais prendre soin de ces nouveaux passagers. Ce sera eux qui testeront ta patience, pas moi. Mais avant tout, j'ai quelque chose à te demander. Tu as sûrement remarqué que nous dormons dans la maison d'invité et que ce n'est pas l'idéal. Et surtout, depuis que c'est bondé, écoute, je ne me plains pas. Tu as été extraordinaire, ce serait terriblement impoli de te blâmer pour quoi que ce soit. Mais je crois qu'il est temps pour moi d'avoir mon espace. Une belle petite maison, sans prétention, mais sophistiquée et douillette. Quel équipage de morphales tu as, bah oui. Un espace où lire et me reposer, loin du tumulte du pont. Étrangement, j'imagine quelque chose qui rappelle les Alpes. Tu vois, même moi, je peux être nostalgique parfois. Je ne t'embêterai pas trop à ce sujet, mais je serais ravi si tu construisais cette maison pour moi. Ok. Je dois te dire quelque chose. Là, je ne voulais pas te déranger avec ça, mais depuis quelques semaines, je fais d'étranges rêves. Je rêve à un serpent géant, à des récifs menaçants et à des fruits pourris. Et depuis que j'ai rejoint ton équipage et toi, eh ben, ils sont de plus en plus clairs. Je crois que c'est l'air du large, ou peut-être les énergies mystiques de la lanternelle. En tout cas, je suis maintenant sûr que mes rêves sont plutôt des visions, et je crois qu'elles viennent de notre connaissance commune. J'ai regardé la carte dans ta cabine. Mes yeux étaient toujours attirés au même endroit, je te l'ai indiqué. Je crois que nous devrions aller là-bas. Il ne faut pas attendre. Alors. Nouveau. Dragon de Quartz. Ok. On va aller là. Et puis après, on va aller de l'autre côté. Ah! Ici, le lin a poussé. Et oui, c'est Stardew Valley ce jeu. J'ai plus de navets? Si, j'ai encore des navets. Non, mince. Voilà. Ah, le café a poussé? Ah non. Ah, j'ai encore du temps à tuer. On va pêcher un peu. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas pêché. On a attrapé une morue. On a attrapé une crevette. Et on est arrivé à destination? Non. Ok. Du calcaire. Superbe des ordures des mers. Et on a 5 poissons grillés.
Et il n'y a plus rien à ramasser, hein. Nope. Saute vite à l'eau. Il y a une épave. Je suis certain que tu y trouveras des matériaux utiles. Oui, mais j'ai déjà tout ramassé normalement. Tonton. Et merci beaucoup Articom pour le 3e mois d'abonnement avec Twitch Prime. Plus d'argent pour moi, moi. Oui, parce qu'on n'est pas taxé sur Twitch Prime. Merci à toi Articom. On est sur la découverte de Spiritfarer. Donc il y a eu des... Je paye ma pute. Quel enfoiré. Ah là, t'es méchant avec moi. Je ne veux pas que tu oublies ton vieil oncle Atoul, je me connais, je suis monsieur populaire, je m'entends avec tout le monde tout le temps, n'importe où, mais je ne pensais pas devoir me faire de nouveaux amis à mon âge, tu n'as pas à t'inquiéter, tout va bien, et je suis désolé d'avoir soulevé le sujet. Je vais m'asseoir au bord du bateau et admirer cette splendeur, d'accord? En espérant ne pas attraper trop de mouches par la bouche, Burke. Ah oui, du coup il faut lui construire une... un abri à l'autre. Le refuge de Gwen. Ah. Oh. Il rentre pile poil. C'est le bordel ce truc. Un bordel sans nom. Comment vas-tu, Articum? Je vais le dire. Mais non, c'est artistique, c'est conceptuel. Tu ne comprends pas mon art. Tu en as compris. C'est quoi ici? On va aller ici. Ah. Alors, on va... des grains de maïs parce qu'on n'a plus de maïs. On va planter ça. Oh le petit chat. J'espère que ce jeu, que vous appréciez ce jeu. Ah c'est vrai qu'on peut leur faire de la musique. Je ne peux pas savoir où est le centre de gravité de ton bateau avec toutes les constrictions. Je ne peux pas savoir non plus. Allez, petit concerto.
J'ai raté une note. Je suis dégoûté. Oui, ils aiment bien, ok. On dirait les musiques de A Normal Lost Phone. Ah, on va pouvoir ramasser. Du maïs, de la carotte, et du navet. J'adore. Cabine est géniale. Ça fait des miracles, une chambre à soi. Est-ce qu'elle te rappelle mon ancien condo sur la rue Waverly? Probablement le seul endroit où j'ai pu trouver la paix et le silence. Merci mon ami. Ah, c'est le puits. Est-ce que ça sera un jour? Qu'est-ce qu'elle aime? Faire du shopping, trouver des fibres. Acheter du fil, dis j'ai métier à tisser. N'apprécie pas le tapage de la toule. Ok. Aime les aliments réconfortants et les aliments pains. Aliments favoris, café noir. N'aime pas les fruits. Ok, il n'aime pas autre chose apparemment. Je vais lui faire un café à la dame. Si je peux. Ah. Oui, je peux lui faire un café. On va faire plein de café. Tiens. Petite, j'ai jeté un coup d'œil à la table à dessin. C'est bien, mais tu sais ce qui la rendrait encore plus chouette? Plus de plans, de plus gros bâtiments et de meilleurs crayons. Je dis ça, je dis rien. Je suis certain qu'Albert, au chantier naval d'Albert, pourra t'aider. Tiens, un café. Alors ça, c'est une sacrée bonne tasse de café. Et j'ai bu je ne sais plus combien de tasses de café dans ma vie, mais celle-là, c'est la meilleure. Merci beaucoup, vraiment, Stella. Que dirais-tu d'une petite collation, Stella? J'ai assez faim. Une collation, elle veut. Oh, merci, j'ai assez faim. Pas fan de cette météo. Puis, gâche vraiment une journée, n'est-ce pas? Ok, on va voir ce qui se trame ici. Oh! J'ai fait un câlin au chat au lieu de démarrer le bateau. Ok. Du minerai de cuivre. Hé, oui. Je suis venu ici pour abattre ces arbres. Mais j'ai oublié ma hache. Je ne veux pas commencer à utiliser la hache de quelqu'un d'autre. Ce serait étrange. J'aime la sensation de me donner que me donne ma hache. Elle est robuste et me calme. Oh, je m'ennuie de cette hache. J'ai passé mon temps à écrire des lettres et à en jeter dans l'eau. J'écris de la poésie. Elle n'est pas très bonne, mais je m'améliore. Avec un peu de chance, personne ne trouvera cette terrible poésie. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai oublié ma hache? Je suis perdu sans elle.
Elles ont l'air incroyables, j'en rêvais justement, des baies. T'as autre chose à dire? On plonge. Ah, une bague? Un anneau précieux. D'accord. Tout ce qu'il y a à récupérer, ok. Alors fais-moi un dessin, améliore, ok. Ici, vise le lieu qui a indiqué Summer sur la carte. Oui, mais je trouve pas son lieu, je pensais que c'était ici. Ou alors c'est là-bas. Ou alors c'est ici, c'est ça. Alors, elle, qu'est-ce qu'elle aime? La fête m'inquiète en rêve. C'est quand même le café. Oh merci, mais je n'ai pas faim. Ok. Elle n'aime pas le café. Sais-tu que tu peux pêcher différents poissons lorsqu'il pleut? Ils aiment peut-être monter boire l'eau fraîche de la pluie. Futé, hein? Ah. Tu vas me le dire plus tôt, tonton. Ok. J'ai ramassé un message dans une bouteille. Oh, c'est... J'ai cru que ça y était, le dragon. Je suppose qu'il était inévitable qu'il soit ici. Il me suit constamment toujours, même dans ce monde. Nos destinées sont mêlées, non? Il reste que pour tout le mal qu'il m'a causé, il semble bien souffrant. Tu ne trouves pas? Les pierres sur son dos sointent la corruption. Il faudrait peut-être que tu les lui enlever pour le soulager. Vas-y, mine la Stella. Toute créature mérite l'amour et le soin. Fais ce que tu fais de mieux. Ok, c'est un jeu où il n'y a pas vraiment de challenge, je pense pas qu'on risque de mourir, mais... Faut juste suivre l'aventure, en fait, des gens. Des gens de ce monde. Il semble soulagé, n'est-ce pas? Je me demande ce que ça signifie. Si nous recroisons ce dragon, je crois qu'il faudrait l'aider. Peu importe comment je me sens par rapport à lui, mais pour le moment, j'ai besoin d'un peu de temps pour reprendre mes esprits. Merci pour tout, Stella. Pas un fan de cette météo.
Ok. Allons au... Là. On fait quête par quête. Oh là là. On a ramassé un macro. Ah, des débris. On ramasse encore des graines. Y a-t-il autre chose à ramasser? Il n'y a pas là. Oh, si, là. Une coquille vide. Il y a une moule. J'avais si faim comme d'habitude, alors j'ai agi. Je suis descendu du bateau, j'ai trouvé quelques baies. Mais je suis un peu excité, j'en ai trop. Voilà, bonne journée. Complètement bête, ok. C'était là, je suis sûr que tu te souviens de ma machine à coudre. C'était une diva avec du lettrage doré et une roue manuelle. Tu sais, j'ai toujours aimé les textiles. Eh bien, il y a quelques années, je suis allé dans un musée où il y avait plusieurs sortes de machines pour confectionner du tissu. J'ai remarqué que tu pouvais construire un métier à tisser sur ce bateau. Ce serait l'occasion parfaite pour t'apprendre quelques trucs. Je suis certaine que tu auras besoin de fil et de tissu bientôt. Tu devrais donc sans doute ajouter un métier à tisser à bord. Les ressources pour le construire sont faciles à trouver. Tu n'as qu'à vérifier sur, sur ta table de dessin. Ok, ils sont tombés endormis. Et elle dort avec son masque et ses ses concombres sur les yeux. Et moi je crois que je vais bientôt arrêter parce que je commence à être fatigué, je dois vous l'avouer. On va faire quelques dernières petites quêtes et puis voilà. Puis ce jeu il est tout reposant. Un métier ici, mais j'ai pas encore droit à ça. Ou peut-être que. Non. Le truc de carte fonctionne et on n'est pas près d'arriver. On a la moitié du chemin. Pêchons un peu au calme. C'est aussi un rang. Un bol de céramique, c'est pas mieux.
Non! Je fais attention pourtant. Encore un bol de céramique. Allez, un dernier lancer. Et un collier précieux. Je reçois ton courrier ici depuis un mois. Je ne suis pas un bureau de poste. Tu dois ajouter une boîte aux lettres à bord de ton bateau. Si je reçois encore une de ces lettres remplies de paillettes, je la fais disparaître. Je t'avertis. Je suis une cliente, mais je me réserve le droit de te cligner dessus. Fais ce qu'il faut. J'ai entendu dire qu'on vient de renvoyer un employé. Travaillait bien, mais il n'avait pas beaucoup de culture. Rahahaha. Ok, j'ai pas compris. Alors, on peut remplir une scierie, un métier à tisser, une fonderie. Ok. Et une boîte aux lettres, ça coûte 250, mais j'ai pas de fil. Ok. Oula! Attends, on va d'abord ramasser ça, hein, avant d'aller voir le monsieur. Mettre du lin et du café. Parce que why not? Là, je pensais à Père dernièrement. Lorsqu'il est parti avec Doug, je n'ai rien ressenti. Pas de tristesse, pas de haine, pas de soulagement, rien. Ça ne comptait pas vraiment pour moi, mais pour toi, oui, tu as pleuré pendant 3 jours dans la chambre de Tante Pétunia. Je t'ai offert les 3 sœurs de Tchekhov et le grand pull que je venais tout juste de tricoter. Maman était consternée, mais tu t'es senti mieux. Bonsoir, Choma. Non, je fais du Spiritfarer. C'est un petit jeu. 2D, plateformeur 2D si on veut, mais il n'y a pas vraiment de challenge entre guillemets. Je pense pas qu'on puisse mourir. En fait, on incarne une passeuse d'âme et on navigue sur un bateau pour aider les âmes en fait. Et on doit comment dire? On doit. Elle nous donne des quêtes. Forest Night, je connais de loin, mais j'ai jamais vu tourner encore, c'est quel genre? Donc voilà. Donc en fait, t'as une partie gestion, t'as une partie plateforme, où quand tu vas dans les villes, sur les îles, etc., machin, tu fais un peu de plateforme, tu vas parler aux PNJ et tout, machin. Et tu as une partie gestion, en fait, sur ton bateau, où tu dois gérer l'espace, tu dois construire des trucs pour tes. En fait, c'est un peu. T'as un petit côté sandbox où tu dois faire à manger, récolter des ressources, construire construire des trucs. T'as des quêtes pour arriver au bout du jeu. T'as un peu de plateforme, enfin c'est en mode plateforme. T'as de très belles histoires. Tu as aussi du jeu de rythme dedans. C'est très complet. La musique est magnifique. Les graphismes sont magnifiques. Il est dans le Game Pass. On me l'a offert en fait, Shoma. On me l'a offert. Je n'ai même pas payé. Voilà, c'est un cadeau de Noël qu'un ami m'a fait, donc Jérémyade sur Discord. Je voulais le faire depuis longtemps et il m'a dit, fais-le, tu vas chialer. Ok. Donc en fait, voilà, le but du jeu, c'est essayer de ne pas chialer. Voilà.
un jeu pour moi. Bon, ça. Je me suis longtemps demandé pourquoi tu étais si triste. Et la meilleure explication, c'est que tu étais triste à ma place. Tu ressentais ce que j'étais incapable de ressentir. Je deviens dingue sur ce bateau. Je n'ai rien à faire, j'ai un surplus d'énergie, il faut que je m'occupe les mains. Pourrais-tu m'accorder une faveur? Tu sais que tu as toujours été ma nièce préférée, n'est-ce pas? Je crois avoir besoin d'un lieu où canaliser toute cette énergie. Une scierie, oui. Il ne me manque que quelques composantes, les matériaux. Matériaux que tu trouveras dans les îles avoisinantes. Je compte sur toi pour m'aider. Je suis sûr que tu ne veux pas que ton vieil oncle dorme sur le pont, n'est-ce pas? D'accord. Donc il veut une scierie. Et il me faut du lin. Saute ici, oui. Je saute ici si tu veux. Allez non. Comment je fais pour sauter sur ton truc là, vieillard? Le but du jeu, ne pas chialer et ne pas faire de remarques sur les améliorations du bateau. Quoi? Elles sont très bien mes améliorations d'abord. C'est juste jaloux de la beauté de mon bateau. Ah, j'ai réussi. Bien le bonjour, jeune femme. Je suppose que tu as une nouvelle spirit fire. Heureux de faire ta connaissance. Je suis Francis. Je peux dire que je suis une sorte de marchand ambulant. Tu vois, j'adore les choses. RTX on, bah oui. T'as vu l'effet... l'effet de... des miroirs. Et là, on a un petit chat qui joue près de nous et on peut lui faire des câlins. Et on peut faire des câlins à tout le monde. Objet curiosité, bien biol, j'achète tout. Pour dire simplement, j'achèterai tout ce dont tu ne veux plus. Je suis sûr que tu as déjà trouvé quelques trésors. Alors dis-moi, de quoi souhaites-tu te débarrasser? Détrempé et pur de ce vieux soulier, tiens. Vieux tapis poussiéreux mais toutefois précieux. T'étourdis un peu lorsque tu le regardes trop longtemps, devrait être vendu. Okay. Un bijou exquis de la plus importante provenance devrait être vendu. Utilisé pour retrouver les gardiens dans une autre vie, n'est désormais plus utile, devrait être vendu. Le magnifique spécimen de l'unique vrai anneau, mais celui-ci ne gouverne rien sauf peut-être ton portefeuille, devrait être vendu. Bol de céramique, un agréable bol bientôt précieux pour mettre quoi que ce soit dedans, devrait être vendu. Et on est riche. Ça s'appelle de l'eau, mais l'eau est bien faite. T'as aussi de la pêche. On peut acheter des trucs. Ok. Graines étranges. Ces graines donnent quelque chose, avec un peu de chance, quelque chose de bon. YOLO. Je suis immensément excité de voir une dynamique jeune femme travailler si dur. Pas que Sharon n'était pas un vrai professionnel, mais ses manières étaient, eh bien, un peu froides, vois-tu ce que je veux dire? Et il gardait tout, pour lui, tout ce qu'il trouvait. Quel dommage. Mais maintenant, tu es là. Hurrah, si je puis dire. Et puis, pas de tracas, maritime compatriote. Lorsque tu en as besoin, le vieux Francis ne sera jamais bien loin. Mais ne me laisse pas devenir une entrave à ton goût de l'aventure. Vas-y, lève les voiles, moussaillon. On va aller naviguer. Hein. Francis le marchand. Alors, ils ont dit qu'il fallait quoi? Construire un métier à tisser et une scierie. Ok. Oh mon dieu. Attendez.
Voilà. Non, je peux pas les. En effet, vu comme ça, le bateau est original. Et on critique pas mon bateau d'abord. Je peux pas les mettre comme ça. C'est dommage qu'on peut pas genre les fusionner. Pas trop le choix. Hein. Toi aussi, t'es un original, vous êtes assorti. Bon. Bon, le métier à tisser, je fous là du coup. Pas trop le choix. Concentration au maximum, mais ouais, mais. C'est dur. Ah, faut que j'arrose mes plantes. Ouais, t'as aussi du farm. Magnifique, bah pas trop le choix. Hein. Oh, le pot plant part vraiment en sucette. Ah, mais je peux ramasser. Non, je peux pas ramasser ça. Je peux te parler, Stella, s'il te plaît. 2 secondes. Alors on va mettre une graine étrange et des carottes et aussi bah, des carottes. D'accord. Le métier à 10 a l'air fantastique. N'aie pas peur, il est en parfait état. Laisse-moi te montrer comment il fonctionne. Tu insères la fibre à l'intérieur et tu tournes. Tu n'as qu'à t'assurer d'atteindre la cible. Et tu auras un petit bonus si tu atteins avec précision l'aiguille. Tu vois? Facile, hein? Essaie-le. Essaie avec cette fibre. On va pas mettre tout ça. On va commencer avec une, hein? Ok. Bon travail. Tu vois, ce n'est pas si difficile. La machine fait tout le travail. Tu n'as qu'à te laisser porter. Et c'est ce qui fait que c'est si apaisant. Le rythme, les sons, les sensations. C'est absolument satisfaisant. Je vais probablement m'en servir lorsque tu n'en auras pas besoin. Mais ne t'inquiète pas à propos des matériaux, je m'en occupe. Ça a été ton stream sur... comment ça s'appelle? Sur Devil May Cry. On peut en mettre jusque... Oh, on peut tout mettre. Ok. Bon, allez, on y va. Voilà. On a 32 fils de lin. Et c'est pas beau. Ah mais on a du café qui est prêt aussi. Et ben on va remettre du café. Et on va réarroser des trucs. Ah non, c'est déjà... Voilà, c'est mieux. Oh, ma mère, je suis pas un Ponyta. Si, tu es un magnifique Ponyta. Mais... Que dirais-tu d'une petite collation? J'ai assez faim.
Tiens, prends. Ah, je veux une collation. Oh, mais elle est patiente. Est-ce que j'ai de quoi faire une collation? Collation réconfortant. Ok. On va en faire plein. Le gameplay est beaucoup plus cohérent que sur les autres, je trouve. On utilise vraiment toutes les armes, c'est plus directif, il y a de beaux combats, il y a vraiment une histoire pour une fois. Oh, bah, c'est chouette. Ah, le popcorn est prêt. Vraiment triste qu'il ait été autant boycotté. Oh, bah tu sais, les gens, voilà quoi. Je peux pas y parler parce qu'elle dort. Ok. Je peux pas. On va dormir. Techniquement, je l'ai pas boycotté, il n'est pas disponible sur PC ou iOS. Devil May Cry 5? Il est pas dispo sur PC? C'est pas Devil May Cry 5, non, c'est Devil May Cry tout court, excuse-moi. Le remake, le reboot. C'est ça, hein, c'est le veille. Non, c'est. C'est lequel? Reboot. C'est sur DMC de Devil May Cry, ouais, voilà. Je suis totalement à la rue, ok, totalement, je dois comprendre avec God of War. Oui, God of War, c'est une exclue PlayStation. Alors, on va retourner voir Albert, pas le cinquième mousquetaire, mais le requin. On va. C'est un jeu des jardins, toc toc. Qui est là? Jimmy. Jimmy qui? Jimmy, beaucoup de mayonnaise dans mon sandwich. Ah, je m'y attendais pas. Big up au traducteur, mais à mort! Ah! Oh putain! Désolé, hein. Vraiment désolé, je sais. Vous désapprouvez. Mais moi non! Il me faut des planches d'érable! Du coup, il me faut la Siri. Lol, Rossimi. Itens blagueur! J'ai honte d'avoir rigolé comme ça. Mais c'est chouette. J'ai bien aimé la blague. Je suis bon public, hein, je suis bon public. Non mais. Ah, il n'est pas encore prêt. Tu veux voir une séance Guitar Hero, Shoma? Je vais faire chier tout le monde avec ça. Non mais... Non mais t'es pas prêt pour ça en fait. Je vais essayer de faire un truc parfait là.
Ah merde! C'est bon. C'est-à-dire tellement longtemps que tu nous fais tout l'album. Non. En fait, ça fait pousser les plantes. Du coup, j'attendais qu'elles soient au max. Voilà. J'ai plus de graines, hein. Non, j'ai plus de graines. Je peux te parler, s'il te plaît, Stella. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais je suis très fatigué dernièrement. J'ai peur que ça joue sur mon moral. Je ne veux pas paraître ingrate, mais les maisons des invités, aussi jolies soient-elles, ne me conviennent plus. C'est bruyant et bondé. Je déteste demander quoi que ce soit, mais pourrais-tu me trouver un petit espace privé à bord du bateau? Je pense que ça m'aiderait énormément. Et comme ça, nous pourrions reprendre nos leçons. Mais rien de trop luxueux. Seulement un endroit où dormir et méditer. De la verdure luxuriante, peut-être. Oh, je serais ravi d'y trouver de la pierre naturelle. Oui, ce serait splendide. Merci encore, Stella, du fond du cœur. Maintenant, il faut faire rougir les tomates. J'ai pas de tomates. Peut-être que plus tard, il y aura de la tomate. Stella, oui. Stella, je veux dire quelque chose. Je bute sur quelque chose depuis un moment et jusqu'à aujourd'hui, cela ne m'a pas paru si important. Prépare-toi. Tu te souviens du manoir de mes parents près du lac? Aussi surprenant que ça puisse paraître, ce n'est pas si loin d'ici. Oui, je sais. Ça me fait aussi réfléchir à ce monde-ci. Je dois admettre qu'en fait, j'ai essayé activement de l'éviter. De toute façon, c'est de plus en plus difficile à ignorer. Plus je passe de temps ici avec toi, plus je me sens prête à affronter cette épreuve. Je n'y trouverai probablement que des regrets et de la douleur, mais ça vaut le coup. J'ai noté l'endroit sur la carte. Tu me feras signe lorsque tu seras prête. Villa Maggiore. Ok. J'ai pas de place pour la Syrie, mais tout manière... Ouais. Je pense pas que j'ai de la place pour la Syrie. Non. Et non, j'ai pas trop de place pour la Syrie. Ce bateau est trop petit. Chez et c'est pardon. C'était nul. Je regrette. Ah merde. Et là j'ai quoi? Sanctuaire de Summer. Bon, on va aller voir pour le truc de... De Gwen. C'est là. Et les émeutes, ils doivent tellement mal tourner en mode miroir. Il faut enlarger la péniche, mais oui, mais je peux pas l'enlarger. Je peux pas rendre ma péniche plus grande. On se pêche du coup. Ah, t'as vu ma grosse coque? J'ai honte! Une crevette nordique. Timmy se cache. Oui, c'est pas pour toi, Timmy, tu es trop jeune. Les icebergs n'ont qu'à bien se tenir.
Vous avez vu le petit chat qui joue avec avec sa balle? Je suis plus vieux que toi, sale gosse. Oui, mais tu es plus innocent que moi. C'est le gars. Je rigole. Une crevette nordique. Nassim, non! C'est bon, je parlais du bateau. Une morue. Ah, je crois qu'il va commencer à avoir de l'orage. Ah non. Merde. Ça recommence, les méduses. Ils ont volé tous mes espoirs, je ne m'habituerai jamais. Et une partie de moi croit que c'est de ma faute. D'accord, tu peux encore faire ton truc. Te sens-tu prête? Oui! N'aie pas peur, ils viendront expressément pour nous. Et une grosse. Non. Non. Manière, c'était trop haute. Il n'y avait pas moyen que je l'échappe. C'est bon. Ah non. Je crois que c'est fini. Ouais, c'est fini. Belle trouvaille, petite. Je viens de pêcher une bouteille à la mer. Ce n'est pas un déchet. Il pourrait y avoir n'importe quoi là-dedans. Un minuscule bateau, un vieux vin, un bébé crabe. Et oui, un déchet aussi. Vas-y, débouche-la. Sommelière. Ok. Comment je fais? Alors ici, moyenne bouteille de lueur. Donc j'ai 250 lueurs. Ici, alors une bouteille avec un message intérieur. Bonjour de Furugawa, fais l'expérience des... tout chômage, je vais bientôt arrêter je crois. Fais l'expérience des merveilles de la grande forêt de chênes et de la sérénité des splendides rizières, maintenant disponibles au champ Gurenu. Ok. Un bûcheron sans hache pleure et sanglote, mais l'arbre ne sent pas la blessure. Je vieillirai, dit-il en riant. Okay. Ah non, non, sors.
Ah! Un orage électrique! N'aie pas peur! Veux-tu attraper autant d'éclats de lumière que tu peux? Continue comme ça! Tu n'as qu'à te tenir sous chaque éclair! Ah oui! Oh, le chat il s'est fait électrocuter. Oh la pauvre bête, mais oui. Je vais lui faire un câlin. Je vais te faire un câlin. Voilà. Voilà, je fais un câlin, mon chat. Daffodile. Ah. Il fait nuit, on ne peut plus bouger. Non, bait. À la FSOS, oui, la pauvre bête. Ah, je commence vraiment à fatiguer. Ça va, c'est mieux la caméra ici avec le chat au-dessus. Est-ce que vous appréciez ce setup? On va réveiller tout le monde. Pour ce jeu-là, ça passe. On n'a rien de masqué par le HUD. À un moment, vous aviez un truc masqué, mais je ne sais plus quoi. Tu sais qu'en fonction du jeu, je peux être souvent en ma cam. Ouais, bah... C'est la difficulté. On va faire à manger. Du pétoncle. Bleh. C'est que ça, IRL, ça me fait vomir. Voilà. C'est une horreur. Qu'est-ce qu'on peut faire avec les navets? Je peux penser à rien d'autre qu'à de la nourriture. Est-ce que j'ai un truc à manger pour elle? Merci, j'adore. Ah oui, elle avait faim aussi. Alors, découvert Villa Maggiore. C'est joli. Ah merci, j'avais assez faim. C'est bientôt fini. Légumes grillés, ok. D'accord, nous y sommes. C'est curieux, je suis excitée et anxieuse à la fois. Je commence même à le regretter, comme si... Peu importe, allons-y.
On y va. On va voir ce qui se trame. Et après, on arrêtera là. Parce que je commence vraiment fatigué. Depuis combien de temps ne nous sommes pas. Ne sommes-nous pas venus ici ensemble, Stella? On dirait bien que Jerry a pris soin des lieux. Il a toujours été le meilleur jardinier parmi nous. Maman n'est pas revenue à la maison depuis la mort de père. Merde, je suis bien plus émotif que je n'aurais cru. J'ai tant aimé cette maison, autant que je l'ai haï, j'imagine. Écoute, je ne crois pas que nous devrions y entrer. Même avec toi, c'est que je ne peux pas. Vas-y sans moi, je t'attendrai ici. Voici la clé. Oh! Et Stella, si tu tombes sur ma vieille boîte à musique, me la rapporterais-tu? Merci beaucoup. Rappelle-toi, cette maison a toujours été un vrai labyrinthe. Si tu te perds, suis la lumière. Bonne chance, là-dedans. Je t'attends à l'extérieur. Ok. Bonne nuit, Stimmy. Des bisous. On ouvre la porte pour le chat. Elle nous a dit de suivre la lumière. Alors, amélioration du métier attesté et boîte à musique. Non, je veux parler au monsieur. Bienvenue dans mon humble palais, petite voyageuse. Tout ce que je possède est de première qualité. Tout est aussi vissé au plancher. Ne t'invente pas d'histoire. Tout ce que l'émir touche, c'est à moi. Et aussi tout ce qu'elle ne touche pas. Ouais, tout est à moi. As-tu vu ma splendide collection d'argenterie? C'est un vieil héritage familial. On m'a dit que ça n'avait pas de prix. Mais je vais te dire un petit secret, ça a un prix, et il est très élevé. Cette maison est si grande que parfois les gens s'y perdent. Ils y errent des heures, parfois des jours. Ils ont de plus en plus faim. Dans l'ombre, des silhouettes semblent surgir dans les extrêmes de leur champ de vision. C'est un dédale sans fin de richesse et de splendeur. Quoi? Moi? Non, bien sûr, ça ne m'est jamais arrivé, puisque c'est évidemment ma maison. Quelle bête chose à dire. Pourquoi je ne quitte jamais ce balcon, me demandes-tu? C'est parce que c'est ma maison. Et que j'y fais ce que je veux, voilà. Je suis riche. Quoi je ne... Ok. Qu'est-ce que t'as à dire? Cœur sur toi! Si. Pas sur les autres. Hein. Attendez. Il y a quoi par là? Ah, on peut pas. Non, ok. Allez! Je voulais voir un truc. Encore des trucs à récupérer, des graines de lin et une vieille peinture. Il y a quoi par là? Faut vraiment tout fouiller, hein. Tu as trouvé la boîte? Peux-tu me la donner?
Merci, je vais garder précieusement. Oh, tu as trouvé autre chose? Oh, j'avais oublié ça. C'est le vieux manuel d'une Golden Royale. Je te rappelle, ça a été une fois le premier prix de la tombola annuelle en ville. Je rêvais de cette machine à coudre depuis la deuxième année. Mes pères ne me laissaient jamais jouer à la loterie. Ce manuel pourrait être utile. Tu peux l'utiliser pour améliorer ton métier à tisser. Ouais, retournons sur le bateau. Et oublions l'existence de ce lieu. On a perdu en amitié avec elle, du coup on lui fait un câlin. Je me sens beaucoup mieux. Et lui aussi on lui fait un câlin. Enfin, elle aussi. Et Stella? Stella, je... Non, peu importe. La nostalgie, ce n'est pas mon fort. Malgré tout, je suis contente que la villa soit encore en bon état. Est-elle vraiment? Ok, changeons de sujet. Tu dois avoir remarqué l'onglet ameublement de la table à dessin. En y accédant, tu pourras ajouter des éléments décoratifs aux maisons des esprits et aux stations. C'est le moment d'améliorer ton métier à tisser. Lorsque tu auras les ressources nécessaires, fais-le. C'est la seule façon de fabriquer du tissu à partir de fil. Vas-y. Ok. Il manque sérieusement de gros outils ici, je pensais à une série peut-être. Ouais, ça ferait l'affaire. Stella, ma chère, ça va? Je vois que tu as bien pris soin de ta plante, c'est bien. J'espère que mes enseignements t'ont aidé d'une façon ou d'une autre. Tu sais, j'ai déjà été un vrai petit soldat. Université de l'État de Midfield, ingénierie agricole, finissante de 1971. Les meilleures notes et un profil progressif. On m'a tout de suite engagé dans une de ces grosses sociétés. J'étais responsable d'une grande parcelle de terre. Plusieurs milliers d'acres. Je devais maximiser la production de nos actifs fonciers. Alors c'est ce que j'ai fait. Et crois-moi, je l'ai bien fait. J'ai rempli le champ de culture transgénique. Quand les insectes sont venus, je les ai cramés avec du poison. Et quand les sols sont devenus gris, j'ai déversé des produits chimiques. De belles et puissantes tiges ont poussé sur ces terres. Et d'abondants épis. Énorme à en être contre nature. Mais tout cela se cachait une maladie fantôme. J'imagine que c'était inévitable que je rencontre le dragon, alors, tôt ou tard. Non, mais c'est pas ça que je vais faire. Je vais arrêter là. Je suis fatigué. Alors, sauvegarder et quitter. Ouais. Wow, désolé de quitter si abruptement, mais je n'en peux plus en vrai, je suis mort de fatigue. Bonne nuit, Chris. Alors, on va voir qui on va raid. En tout cas, j'espère que cette petite découverte vous a bien plu. Qui que j'ai? Il y a soit Nedil. Mais je pense qu'il termine un jeu. Repose-toi bien, merci. Soit Bestio qui est sur Tiproc Galactique. Si je veux dodo, merci pour ce live. Je vous envoie chez Nedil parce que ça fait très longtemps Nedil et c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je sais pas s'il s'arrête maintenant ou pas en fait. Attendez, je regarde s'il lance un truc. Bon allez, je lance. Du coup, merci à tous d'être ici, d'être venus sur ce live. Ah, j'ai pas la... Ok, je peux pas raid. D'accord, c'est... Ok. D'accord. Je peux pas raid. Voilà. J'ai pas la permission de raid. Voilà. Ouais, attendez, mais je vais voir s'il y a moyen de raid sur une autre chaîne. Si c'est pas lui qui a bloqué les raids. Non. Pourquoi? Alors d'après ce que j'ai lu, c'est un bug du chat Twitch parce que je viens d'arriver chez Nedil, il y a quelqu'un qui dit qu'il n'arrivait pas à raid.
Donc ouais, voilà. Désolé, ben, je vais vous laisser ici. Du coup, vu que je ne peux raid personne. Mais en tout cas, merci à tous d'avoir suivi ce stream. J'espère que le jeu vous a plu. On continuera la semaine prochaine, ce petit jeu mignon. On se retrouve samedi pour Mass Effect 2. Oui. Et voilà, peut-être, j'espère, un peu plus en forme. Du coup, merci encore à Ertikum pour son 3e mois de sub en Prime et Vilain Croco pour son 1 bit. Oui. Pour du Mass Effect 2. Je vous laisse ici, je vous fais des bisous, je vous souhaite une excellente nuit et reposez-vous bien parce que c'est très important. Regardez les cernes que je me tape, on dirait un panda. Allez, je vous fais des bisous. Salut à tous.